abonnez-vous. Pour est-ce que ça marche dans OBS, je vois mon film. Ah là là. Non, parce que tu vois, dans le retour son, on voit que ça marche. Oui, c'est bon. Ok, bah du coup, c'était un faux départ. Heureusement que tout à l'heure, j'ai posté un petit message pour dire qu'il n'y aura pas de bug. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart. On vous montre toutes les coulisses du journal, on invite des journalistes et des non-journalistes, toutes les personnes qui participent à la fabrication du journal. Voilà, désolé pour ce mini contretemps. Pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, il y avait un problème de caméra, mais aujourd'hui c'est un problème de micro et on espère le dernier du stream. Bonsoir Donatien, Donatien Huette. Bonsoir Anna. Tu travailles au central de Mediapart et ce soir tu vas nous parler data journalisme. On va revenir en détail sur ton métier, mais d'abord les messages d'usage. Pour participer au chat, déjà il faut nous suivre depuis 10 minutes. Ensuite, je vous mets les règles à respecter. Si vous ne respectez pas ces règles, au mieux, votre message est supprimé et au pire, vous êtes banni. Et le ban, c'est sans sommation. Et c'est Muriel qui s'occupe de la modération ce soir et qu'on remercie très fort. Elle s'appelle sur Twitch Ablabla, si mes souvenirs sont bons. Peut-être qu'elle va poster un petit message pour se signaler dans le chat. Donc voilà, c'est elle qui fera la modée ce soir. Vous ne pouvez pas poster de lien. Seule Muriel peut le faire. Voilà, là, Alba Ablabla. Salut Muriel. Et donc, si vous voulez avoir un de vos liens postés dans le chat, il faut lui chuchoter. Voilà, et puis bon, bien sûr, Terence peut poster des liens, parce que comme vous le savez, Terence, c'est l'abonné VIP d'Abonnez-vous. Et si vous aussi, bientôt, il y a votre anniversaire qui arrive, et si vous êtes aussi présent que Terence, peut-être que vous pourrez avoir un statut également VIP. Vous rappelez qu'on n'est pas affilié, on n'est pas partenaire, on ne va pas rejoindre ces deux programmes, parce que ça voudrait dire recevoir de l'argent de Twitch, et donc d'Amazon, et donc Jeff Bezos, et ça, on n'est pas trop OK à Mediapart. Donc, si vous voulez nous soutenir, plutôt que passer par des subs, bon, écoute, ça attrape la joie, t'as ton anniversaire bientôt, très bien, et ben, tu nous diras la date et il y aura une petite surprise. En tout cas, si vous voulez vous abonner à Mediapart, voilà, je vous ai mis le lien. La commande, vous pouvez l'appeler avec juste le message « abonnez-vous ». Abonnez-vous. Est-ce que, dites-moi que là, vous avez entendu, et oui, que ce n'est pas un son de gauche jusqu'au bout. Abonnez-vous. Ok, cool. Et donc sur cette offre, c'est un mois gratuit, sans engagement. Il n'y a même pas besoin de mettre sa carte bleue, voilà, d'infos de paiement pour découvrir le journal et tout ce qu'on fait. Ensuite, un dernier point sur les emotes. Peut-être que vous avez vu qu'il y a des gens qui mettent des petites emotes avec Edoui ou Hélène Salvi ou encore Martine Orange. Pour les avoir, il faut utiliser l'extension BetterTTV. Voilà, je vous mets également la commande qui vous explique comment aller les récupérer. Et puis, si vous avez des idées d'emotes sur l'équipe, n'hésitez pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous les mettez dans le chat. Et puis après, nous, on les met en image. Voilà. Donc, OK, j'ai bien noté. Le 30 septembre, anniversaire de Satrap, il y aura peut-être un message. On ne sait pas si Edoui sera dans les parages ou pas. Mais dans tous les cas, il y aura un petit badge VIP. 4 jours après moi, Satrap. Voilà. Vive les balances. J'allais te demander, c'est quoi ton signe astro? Ok, donc si ça vous va, on fait la revue de presse rapidement pour après rentrer dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, comment se découpe l'émission? La revue de presse, c'est les 7 articles qui ont été les plus commentés la semaine dernière. Comme ça, ça va vous montrer un petit peu l'étendue de ce que couvre Mediapart comme sujet et aussi de ce qui fait vibrer nos abonnés. Ensuite, on passe à la présentation de Donatien. Il va nous expliquer son parcours, son travail à Mediapart, dans quel service il travaille, etc. D'habitude, il y a une lecture d'articles, mais là, vu qu'on est sur un format un peu spécial, puisqu'on va parler data journalisme, on va vous montrer des travaux, des infographies que Donatien a fait. On entend mal Donatien. Bon, il faut bien qu'on parle bien en face de nos micros. Micro comme ça. Parce que ça module pas chez moi. Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Toi, t'es... Non, ça module pas. Attends, et vas-y, débranche et rebranche ton micro. Ouais. Voilà, ça, c'est le stream de gauche dans toute sa splendeur. Très à gauche, Jonathan, ouais, ouais. Un, deux, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est très fort. Ouais, après, il faut voir si c'est parce qu'on a les fenêtres ouvertes. Voilà, comme ça. Ouais. On va faire attention à bien parler en face de nos micros. Ensuite, ouais, et sur l'émission, donc après, on répondra à toutes vos questions, on va lire le chat, voilà, et il y aura le moment Percastor, donc les recocultures de Donatien, et puis on prendra encore un peu des questions. Le cadre a changé, ça trappe tout à fait. En fait, notre bailleur est en train d'aménager le toit. Et nous, on occupe les derniers étages, ce qui fait que pendant les travaux, là, vous ne voyez pas, je ne peux pas bouger la caméra, mais il y a des bâches partout. On a été déménagé à un autre étage. Et là, c'est la dernière émission que vous voyez ici pendant les travaux, parce qu'on va tout rapatrier, il n'y aura bientôt plus Internet. Et donc, lundi prochain, pour l'émission de Tariq, vous verrez encore un nouveau décor. Ouais, c'est ambiance un peu Dexter Morgan, si vous voyez, avec des bâches. Voilà, avec des bâches partout. C'est un peu bizarre. Et comme il disait, on a les fenêtres ouvertes, il n'y a plus de clim, il n'y a plus rien, il y a juste la lumière. Voilà. Ok, donc si ça vous va, on va passer à la revue de presse. Qui est-il sur Mediapart ? Donc voilà, les 7 articles qui ont été beaucoup commentés la semaine précédente. Déjà, une enquête pour commencer de Pascal Pascariello. Je vous rappelle que nous sommes des policiers et non des voyous. Même l'IGPN s'offusque dans l'affaire Heidi. De faux rapports rédigés pour couvrir les faits, des déclarations contradictoires et pour certains des implications dans d'autres affaires de violence. Les premiers éléments de l'enquête judiciaire consultée par Mediapart sur les policiers qui ont grièvement blessé Heidi à Marseille le 2 juillet sont accablants pour les mises en cause et leur hiérarchie. Une enquête ensuite de Martine Orange. Bercy enfonce la lanceuse d'alerte de l'affaire UBS. Stéphanie Gibaud a permis à l'État de récupérer 1,8 milliard d'euros dans l'affaire UBS. Mais cette lanceuse d'alerte a tout perdu et vit au RSA. Bercy s'oppose pourtant fermement à ce qu'elle touche une indemnisation. Récit d'audience. Une enquête de David Perrotin. La police rejette un candidat musulman à cause d'une tache sur le front du AC Prière. Après avoir validé son examen pour entrer en école de police, Karim, 24 ans, a été écarté. Son tort, avoir une marque sur le front, une taba, je ne sais pas comment on prononce, donc excusez-moi si c'est mal prononcé, signe d'une pratique régulière de la prière. La préfecture de police de Paris y voit un possible signe de repli identitaire. La justice, une atteinte au principe de neutralité. Une enquête de Marine Turquie et de Madeleine Leroyer. Pré-russe, des mails hackés révèlent la proximité entre Marine Le Pen et le pouvoir poutinien. Dans l'affaire de son prêt russe, Marine Le Pen prétend avoir signé avec une banque, pas avec Poutine. Des mails issus de la boîte du vice-président de la Douma, Alexander Babakov, démontrent pourtant comment le pouvoir russe s'est impliqué. Un article de Jérôme Ourdeau, à Avignon, un graffeur antisémite à l'insu de son plein gré. Le tribunal correctionnel d'Avignon a examiné la plainte de Jacques Attali contre le graffeur Lecto qui avait représenté l'essayiste en marionnettiste manipulant Emmanuel Macron. La fresque reprenait de nombreux codes de milieux antisémites et complotistes dont l'auteur a nié avoir connaissance. Et enfin, un reportage de Mathieu Dejean, Unitaire tout seul, le paradoxe des militants communistes. À la fin de l'humanité, à la fête de l'humanité, ce lapsus, à la fête de l'humanité, les communistes prônent le renforcement du PCF avant l'unité de la gauche. Certains critiquent cependant les saillies médiatiques de Fabien Roussel et un repli identitaire qui leur pose des questions sur l'avenir. Et enfin, là c'est un article signé par la rédaction de Mediapart, le suicide d'un lycéen harcelé tourne au scandale. Le rectorat de Versailles avait adressé un courrier menaçant aux parents de l'adolescent victime de harcèlement scolaire. Face au tollé, le gouvernement veut se montrer réactif. On revient en mode chat. Ok, donc je vois, Muriel vous a envoyé au fur et à mesure tous les liens si jamais vous avez envie de lire ces articles. Hop, maintenant qu'on a fait la revue de presse, on va pouvoir revenir au sujet principal de l'émission de ce soir, à savoir le data journalisme. On fera aussi, on va répondre aussi à vos questions sur les autres aspects du travail de Donatien, puisqu'il a couvert l'extrême droite dans le milieu de la musique et également le MeToo Music.
Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer ce que tu faisais, enfin, qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à Mediapart, depuis combien de temps tu es ici? Alors, tout à fait. Donc, j'ai 36 ans, bientôt 37 hein, dans 8 jours. Ça fait 7 ans et demi, voilà. Et les fameux balances, exactement. Bonjour, ça attrape de nouveau. Ça fait 7 ans et demi que je travaille à Mediapart. Donc, depuis mars 2016, j'étais arrivé du coup avant l'élection présidentielle de 2017. Et avant ça, alors, j'avais toujours esquivé... ce qu'on appelle la presse nationale, le journalisme un peu plus parisien, parce que j'ai commencé donc avec des études de journalisme à un IUT à Lannion en Bretagne, c'est ma région d'origine. Mais on en parlera sans doute plusieurs fois dans ce stream. Ça, n'hésitez pas, je saoule beaucoup mes collègues avec ça. Et donc après 3 ans d'études, puisqu'un IUT c'est une formation assez courte, DUT, licence pro, j'ai commencé à travailler comme beaucoup de plus près du micro, d'accord, pas de souci. Comme beaucoup de journalistes bretons dans la presse bretonne, à savoir Ouest France et Le Télégramme, qui sont les deux quotidiens régionaux du coin. Et après ça, j'étais un petit peu jeune pour vraiment me lancer définitivement dans cette carrière. Donc du coup, j'ai été travailler en Allemagne dans un poste plus institutionnel pour l'ambassade de France et la fondation Bosch. Hein. Bosch, la marque de machines à laver ou de four, par exemple. Voilà, donc avec une fondation. Je travaillais dans la promotion du français dans les écoles allemandes. Et ensuite, après toutes ces expériences, j'ai un peu joint ma passion journalisme et ma passion... pour ce qu'on appelle le franco-allemand, en allant travailler pour la chaîne de télévision Arte à Strasbourg, donc pendant 6 ans, à partir de 2010. Excuse-moi de te couper, il y a encore des messages. Je pense qu'il faut vraiment que... Vraiment que je m'approche du micro. Comme alors, si c'était à la radio, genre limite ta bouche, elle touche le micro. Ma bouche touche le micro, est-ce que comme ça vous m'entendez mieux? Je suis désolé, ouais. Ça, non, mais c'est pas toi, hein, c'est qu'on a du bruit à l'extérieur. Ouais, un peu de bruit, c'est ça, ouais. On a les fenêtres ouvertes pour aérer un peu. Et voilà, donc j'ai travaillé 6 ans pour Arte, donc notamment pour les émissions Arte Reportage ou Arte Journal, ou les thémas, si vous connaissez, plutôt sur le développement web. Et je m'occupais en partie d'un objet web qui a aujourd'hui presque disparu, qui s'appelait le web documentaire. Voilà, donc je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous sont suffisamment vieux et vieilles pour connaître. C'est le retour de la team vieux. Exactement, team vieux. C'est là je parle d'une époque qui n'est pas si lointaine, hein, puisque c'est fin des années 2000, début des années 2000, jusqu'à aller très loin jusqu'à la moitié des années 2010, où le webdoc c'était devenu un grand moyen d'innovation pour faire du journalisme sur le web. Donc c'était des sortes de documentaires, reportages interactifs où il fallait cliquer partout. On pouvait aussi introduire des aspects un peu de gaming, donc finalement transformer notre reportage ou documentaire en objet qui est presque plus proche du jeu vidéo. Et après, j'ai atterri finalement chez Mediapart en 2016. Sur un poste à la base qui était nommé chef de projet éditorial. Voilà, c'était pour développer un peu tout ce qui est innovation éditoriale chez Mediapart, essayer de rendre les formats journalistiques un peu moins austères, essayer de développer des choses un peu plus visuelles, un peu plus accessibles. Je m'y suis pas trop tenu, mais j'essaye de faire un petit peu... Ce que je peux faire, et j'ai essayé de développer justement ce dont on va parler juste après, tout ce qui touche au journalisme de données, donc visualisation, infographie, et essayer aussi de travailler en lien avec la rédaction sur ce type de format journalistique. Alors, si ça te va, je te laisse peut-être remonter ton micro un maximum pour pas que tu sois tout le temps tordu. Exactement. Pendant ce temps, je vais répondre à une question de Hydrac, je ne sais pas comment on prononce son pseudo, si c'est mal prononcé, qui demandait si on appartenait à une filiale, je crois. Et du coup, y a déjà des gens qui t'ont répondu, mais Mediapart, on a un petit son pour t'expliquer. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Je ne sais pas si ça a marché, on est dans un grand suspense sur le son ce soir. Mais seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, donc Mediapart n'appartient à personne. On ne vit que des abonnements, des gens qui nous lisent, ça a marché, génial. Donc pas de subvention de l'État, pas d'actionnaire, un média indépendant. Donc là, Donatien, maintenant, pour arriver
2023. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça se passe, la vie dans le service du central? Toi, ton poste, comment il s'insère par rapport au poste des autres collègues? Voilà, donc bon, c'est un poste qui est assez varié, puisqu'on n'est pas forcément donc à ce pôle d'édition centrale rattaché à une rubrique, mais on va essayer justement de couvrir un peu tous les aspects du journal. Et en termes, au niveau de mon poste, ça va être par exemple travailler de concert avec des collègues du journal sur de l'analyse de bases de données, sur la visualisation de données. Donc ça peut aller, les accompagner par exemple, ils récupèrent un tableau Excel géant et ils veulent en tirer de l'information, du coup je vais les aider à analyser cette base de données en essayant de la résumer, en essayant d'y trouver de l'information. Et ça peut être aussi sur des papiers un peu techniques, d'analyse, notamment économique par exemple, parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ça va être récupérer des données de différentes sources, je pense à l'INSEE ou à d'autres sources institutionnelles, et ça va être de visualiser sous forme d'infographie certains aspects de l'article pour rendre la chose un peu plus visuelle et du coup un peu plus grand public aussi, puisque effectivement pour les lecteurs et lectrices, parfois c'est plus simple de comprendre une info en la visualisant qu'en la lisant. En tout cas, pas forcément de la comprendre, mais en tout cas de la retenir. C'est toujours l'image, l'infographie, ça permet de parfois mieux imprimer le discours qu'on veut partager. Et du coup, le service central qui est tout nouveau à Mediapart, si tu veux le présenter. Voilà, donc le service central, c'est tout nouveau. Donc on est parti d'un constat, c'est que on fait globalement de bons articles qui sont souvent bien problématisés, originaux, avec un point de vue sur la société, mais parfois il demeure assez peu accessible. Par accessible, j'entends accessible au commun des mortels, parce que parfois trop complexe, parfois assez peu aéré, parfois c'est des longs textes qui peuvent être compréhensibles, mais qui du coup très peu de gens finalement vont se dire je vais lire 30 000 signes ou je vais pendant 45 minutes je vais m'attarder sur un papier. Donc l'idée du pôle central, ça va être de se saisir de ces papiers et puis essayer ce qu'on appelle dans le métier journaliste les éditer, à savoir rajouter des respirations, ce qu'on appelle des intertitres, des exergues, rajouter des photos, des infographies, essayer aussi peut-être de les raccourcir un petit peu en essayant de rogner ce qui peut paraître accessoire à la compréhension de l'article. Et donc ça va être tout un travail pour essayer de rendre les papiers plus accessibles, plus conviviaux aussi dans leur lecture, pour que les gens aient vraiment envie d'aller au bout et ne soient pas découragés dès le début par lire le papier. C'est vrai que c'est un fort enjeu pour nous, parce qu'on se rend compte que mais comme beaucoup de médias que la lecture, le temps que les gens ont à consacrer à la lecture d'un article ne correspond pas à la longueur des articles, clairement. Donc on a un vrai enjeu d'accessibilité, vraiment pour que les gens aient envie d'aller au bout et envie, parce que pour comprendre un article, il faut pouvoir aller du début à la fin. Et si on s'arrête au milieu, on n'aura pas transmis le message qu'on veut transmettre. Donc c'est un peu dommage. Donc on va avoir un travail pour améliorer cette rétention dans nos articles. Donc c'est un travail de concert entre des éditeurs texte, donc qui vont vraiment se concentrer sur le fond du texte, et des éditeurs qui vont plus travailler sur la forme, à savoir la photo, la vidéo, les infographies, tout ce qui va, ça peut être de l'audio aussi, tout ce qui peut un peu relancer et puis aider à la lecture, à la compréhension du sujet concerné. Oui, surtout que des fois, les articles de Mediapart peuvent être quand même très longs, plus longs que la moyenne, faut le dire aussi. Enfin, il y a aussi des fois, c'est plus exigeant. Donc c'est important tout le travail que vous faites au central pour les rendre plus accessibles. Voilà, c'est ça. Et puis après, il faut trouver le juste milieu entre accessibilité et quand même garder aussi... Il y a aussi beaucoup de gens qui nous lisent aussi pour la qualité, la profondeur de nos articles. Et il ne faut pas aller dans l'excès inverse et se transformer. Je pense souvent comme exemple, parce que j'ai un peu grandi avec ce journal...
quand on était plus jeune, c'est le fameux quotidien 20 minutes qui, quand il s'est créé, avait une promesse qu'en 20 minutes, on puisse faire le tour de l'actualité, d'où le nom du journal. Donc, il calculait qu'en moyenne, il fallait 20 minutes pour lire le journal entier. Après, effectivement, bon, c'est parce qu'ils avaient, dans des études, ils montraient que les gens, les Français, consacraient en moyenne 20 minutes à la lecture de la presse au quotidien. Bon, après, il ne faut peut-être pas tomber dans cet excès-là. Et puis, voilà, il faut trouver le juste milieu entre des papiers beaucoup trop courts et du coup, où on passe complètement en surface des sujets, et des papiers plus longs, plus amples, qui l'associent le temps à l'analyse. Mais voilà, mais tous les papiers ne doivent pas faire 30 minutes de lecture. Il faut avoir cette variété de sujets, des sujets qu'on peut lire en 5-10 minutes, des sujets qu'on peut lire en 20-25 minutes. Mais du coup, faire l'effort pour qu'on garde aussi un équilibre un peu constructif à Mediapart, qu'on n'ait pas que des longs formats, mais qu'on puisse alterner entre court et long format, quoi. Oui, c'est voilà, Texto Raxel qui nous dit « Je dois avouer que je suis régulièrement intimidée par la longueur des articles Mediapart, dont je ne critique pas une seconde la qualité. » C'est pas le seul. Et le berger des abeilles qui complète « J'ai remarqué que récemment ont été ajoutés un onglet vers un résumé pour certains articles, résumé qui ne se confond pas avec le chapeau. » Tout à fait. On revient sur le sujet juste après, mais il y a un message de Merlinou qui nous dit « Vous devriez organiser un concours annuel en live du style question pour un champion sur les affaires sorties par le journal avec des lots et faire gagner des abonnements et des fausses moustaches, sachant que nos collègues du marketing organisent régulièrement des petits quiz quand vous êtes abonné. Vous pouvez gagner souvent des livres ou des BD de la revue dessinée. Il y a également les Mediapart Awards en fin d'année. Si mes souvenirs sont bons, c'était en décembre dernier qu'il y avait eu un Twitch avec Michaela Jeanberg et Tariq pour dévoiler les résultats des Mediapart Awards, où c'est concocté par la com et le marketing, des questions qui reviennent sur toutes les enquêtes du journal. Mais peut-être, en effet, on pourrait imaginer faire en mode live aussi. Et surtout faire gagner des fausses moustaches, c'est une très bonne idée. Des fausses moustaches. Ouais. On fait gagner des abonnements, on fait gagner des livres et tout, mais c'est un peu. Les fausses moustaches, c'est plus rigolo quand même. On pourrait faire aussi les fameuses chaussettes Mediapart que le monde entier nous envie. Voilà. Il y avait déjà une question de... Je remonte. Si jamais je loupe votre question, vous pouvez la reposter dans le chat. Hein. Je ne vexerai pas. Dites-nous si le bruit n'est pas trop fort, parce que là, dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des bruits. Donc, si jamais vous nous entendez mal à cause de bruit ambiant, on fermera les fenêtres. Voilà, Terence, il avait déjà une question, parce que je t'ai dit, il avait préparé l'émission, c'était sûr. Comment se passe la collaboration avec des personnes et collectifs, Mémoire Vive par exemple, avec qui vous cherchez, traitez et mettez en forme les données? Qui initie généralement ces collaborations et comment viennent les idées de sujets à traiter? Le lien entre îlot de chaleur et niveau de revenu par exemple? Terence, c'est une excellente question, parce que justement, on allait y venir, on a l'impression que tu bosses à Mediapart. Il y a des micros, je te jure. Il y a des micros, c'est ça. Donc Mémoire Vive, puisque tu le cites, donc Mémoire Vive, donc c'est un collectif il y a des développeurs, il y a des designers, il y a des gens qui sont plutôt engagés. C'est ceux et celles qui avaient notamment été à l'origine du fameux projet L'Avion de Bernard, voilà, qui traquait le jet privé de Bernard Arnault. Donc c'est un projet qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, hein. C'était un compte Insta, Twitter, qui à chaque fois que Bernard Arnault faisait un trajet, ça publiait quelque chose sur les réseaux, à tel point que Bernard a revendu son jet, hein, je crois. Voilà, donc comme quoi, c'est il était fâché. Hein. Ouais, il était très fâché. Donc comme quoi, c'est un projet qui a vraiment eu un impact très fort. Hein, donc on peut que s'en féliciter. Et donc Mémoire Vive nous a approché, enfin plus précisément mon collègue Michael Correa, qui est chargé des questions climatiques à Mediapart, nous a approché récemment pour travailler de concert sur deux projets. Donc il y en a un, le premier, qui est sorti cet été. C'était une sorte de cartographie des 165, je crois, mégabassines que compte le territoire français. Donc les mégabassines, c'est ces grandes retenues d'eau à destination de l'agriculture intensive. Et cette carte, en fait, mettait en parallèle les mégabassines, leur alimentation, et le niveau des nappes phréatiques et les alertes sécheresse partout sur les territoires français. Donc ça permettait de bien voir, en fait, peut-être qu'on la verra à l'écran, cette carte. On peut tout à fait la voir, comme ça les gens voient en même temps qu'ils... Elle est là. On en parle. Elle est là. Alors je pense que c'est l'onglet juste après. Elle est juste après, oui. Ouais. Elle est là. Exactement. Donc si tu descends un petit peu, voilà, super. Est-ce qu'on la voit bien ? Ça charge doucement. Ça charge un petit peu, oui, voilà. On a un internet comme ci, comme ça, là, à l'étage des travaux.
Donc voilà, donc c'est une carte interactive, donc qui dit un interactive, voilà, donc là on voit par exemple que 100% des bassines construites se trouvent dans des zones soumises à des restrictions d'eau, et donc on pouvait voilà interagir avec la carte, bon désolé ça rame un petit peu, donc voir un peu donc les nappes phréatiques, les décisions en termes de restrictions d'eau, les débits des cours d'eau, voilà, et donc pouvoir voilà mesurer voilà où se trouvaient ces méga bassines. C'est ma faute. Pour pour essayer aussi de constater un petit peu de visu à quel point certaines de ces méga bassines en fait se trouvent dans des zones soumises à des arrêtés, et donc voilà ça montre bien toutes les problématiques qu'il y a autour de ça. Et donc on s'est associé à ce collectif voilà qui est venu vers nous pour nous proposer ce sujet, et donc il se base sur plusieurs bases de données qui sont publiques, hein, enfin que ce soit le niveau des nappes phréatiques ou les arrêtés pour sécheresse, les arrêtés préfectoraux, et du coup voilà il remonte ces bases de données. Cette carte est actualisée voilà en temps réel, avec un petit moteur de recherche et accompagné voilà d'une petite analyse de mon collègue de Mediapart. Donc ça fait que c'est un outil qui voilà qu'on a publié voilà, alors je sais plus quand, je crois que c'était fin juillet, mais qu'on pouvait voilà consulter tout l'été, même encore aujourd'hui, et voir un petit peu où est-ce qu'on en était la sécheresse en France, et donc où est-ce qu'on était au niveau des méga bassines. Donc ça montre la relative voilà, absurdité écologique que sont ces infrastructures, surtout dans la période d'extrême sécheresse qu'on connaît dans certains territoires français. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple en fait de ce que permet le data journalisme. C'est que ça permet aussi aux journalistes de pouvoir travailler avec d'autres types de métiers. Ça peut être des développeurs, des designers, ça peut être des cartographes, donc des gens dont le métier n'est pas journaliste, mais dont les compétences en fait peuvent vraiment servir l'information du public, et donc rentrer complètement aussi dans des projets qui sont plus journalistiques comme on les produit à Mediapart. Et c'est vrai que moi c'est aussi pour ça que j'adore cette discipline et ce projet, c'est parce que ça permet aussi de croiser un peu, de sortir de notre petite bulle journalistique et de croiser nos regards avec ceux d'autres gens, parfois militants, parfois pas, mais des gens qui font pas le même métier que nous, mais qui peuvent énormément en fait apporter à l'information via des techniques d'analyse de données, de visualisation de données grand public. Enfin, c'est vrai que le fait de voir cette carte, ça vaut beaucoup mieux que de lire un texte qui fait 10 pages sur le problème des méga bassines et de la sécheresse. Là, au moins, en une carte, on voit directement toutes les problématiques que ces retenues d'eau posent. Est-ce que ça répond à ta question, Thérence? Je me souviens plus parce qu'il y avait plusieurs questions dans la question. Si jamais tu trouves qu'on peut encore compléter, n'hésite pas à reposer des questions. Je vois que ça attrape une question. C'est une vraie concentration. C'est Donatien qui fait les cartes. Du coup, tu as répondu. Non, les cartes, là pour le coup, c'est vraiment un projet qu'on a fait avec Mémoire Vive, donc ce collectif derrière l'avion de Bernard. Et puis on peut montrer peut-être aussi un autre de leurs projets. C'est le projet de l'hélicoptère. Donc ça, c'est assez marrant aussi. Donc ça, c'est un truc un peu plus récent qu'on a sorti début septembre. Donc il se trouve que nos deux milliardaires préférés, François Épineau et Martin Bouygues, font du co-hélicoptère. C'est le terme. C'est le vrai terme, le blabla hélico. Je sais pas, parce que je connais personne qui co-possède un hélico, donc j'ai inventé ce terme. Voilà, du co-hélicoptère, c'est le covoiturage des ultra-riches. Et donc, là, c'est toujours Mémoire Vive. Donc, ils ont refait un peu le même projet qu'ils avaient fait avec Bernard Arnault, à savoir qu'ils ont traqué les vols pendant un an de l'hélico, copossédé par, co-détenu par, par Martin Bouygues et François-Henri Pineau, donc le patron de Kering. Et l'idée, donc, c'était de la même anglaise, ils se sont basés une fois de plus, hein, comme Léon Bernard Arnault. Tout ça, c'est des données qui sont publiques. Hein, ils n'ont rien hacké, rien trafiqué. C'est des données publiques, hein, qui viennent d'un site, hein, qui suit les vols
en temps réel des appareils dans le monde entier. Et donc voilà, ils ont traqué l'hélicoptère des deux milliardaires, notamment pour montrer voilà qu'ils adoraient prendre l'hélico pour aller pour faire des Paris Londres, des Paris Dinard, des Paris Normandie, enfin en gros des trajets assez courts quoi, et voilà qui est calculé qu'en gros que rien qu'avec leur hélico en un an voilà ils dépensent 32 fois l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Voilà, sachant que le trajet moyen, ouais, c'était de l'ordre de 270 bornes, je crois. Donc voilà. Et tout ça, voilà. Donc c'est des petits projets assez marrants, pareil, qui sont aussi actualisés dans le temps. Donc là, je constate justement, si tu scroll down, que bah, depuis qu'on a lancé le projet, malheureusement, ils ont arrêté. Ils boudent. Voilà, parce qu'on a lancé le projet le 1er septembre 2023. Et comme par hasard, depuis le 1er septembre 2023, il y a zéro vol au compteur. Donc c'est un peu. Voilà. Mais ça, voilà, c'est le genre de projet aussi assez sympa qu'on peut faire avec des données. C'est faire ce genre de visualisation très claire, limpide. Voilà, où l'info, de toute façon, elle est incontestable, puisque c'est des données publiques. Ils ne peuvent pas dire, mais non, c'est pas vrai, on n'a pas fait autant de kilomètres avec notre hélico. Non, mais regardez, les données sont publiques, les gars, en fait, vous ne pouvez même pas vous gâcher. Donc voilà, donc je sais, bon, notamment ben, Mickaël, évidemment, donc mon collègue qui a réalisé l'article, a cherché à les contacter, mais ils ont pas répondu. De toute façon, voilà, je ne sais pas trop qui veut répondre à ça. Et pourquoi aussi on les a ciblés, eux? C'est parce que ce sont deux personnages qui mettent en avant beaucoup dans leur discours prise de parole publique, comme quoi leur entreprise ont pris un virage super écolo, que ce soit donc François Répinot qui est dans la mode et Bouygues qui est plutôt dans la construction et les télécoms. Et en fait, bon, on se rend compte que c'est un peu du flan si on regarde leur trajet. Enfin, c'est même pas les trajets, je pense qu'on peut parler vraiment de saut de puce. Mmh. Leur saut de puce en ce que Terence dit aussi, saut de puce. Ouais. Le berger des abeilles remarque qu'on dirait une chronique de Guillaume Meurice, le co-hélicoptère. Voilà, voilà. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas. On peut voter avant la fin de la soirée pour savoir quel est le meilleur thème pour désigner les gens qui font du covoiturage en hélicoptère. Non, il n'y aura pas d'hélipad sur le toit de la rédac à Mediapart. Ce n'est pas prévu. Je remonte un petit peu. Oui, donc ça trappe, il n'y aura pas de lecture d'article. On va vous montrer plutôt des infographies sur lesquelles Donatien a travaillé. Mais si tu veux, je crois que Muriel a mis dans le chat le lien vers l'article avec l'infographie, avec la carte sur les méga-bassines. Donc on peut te le remettre. Vous avez d'ailleurs sur le titre de l'article, on s'est un peu surpassé par rapport au. Sur lequel tu voulais. Le titre de l'hélico, si tu veux. Voilà, attends, on va revenir en mode caméra. Avec leur hélico, Bouygues et Pinot, jette par le hublot leur discours écolo. Ouais. Donc ça, ce genre de sujet, ça nous permet aussi parfois de faire des titres un peu plus rigolos par rapport aux titres un peu sobres et qu'on fait à Mediapart. Ouais. On voit que Sébastien Calvé, qui était il y a 15 jours aussi dans Abonnez-vous, s'est amusé dans le choix des photos et du montage. Ouais, ce genre de sujet nous inspire énormément, donc il faut vraiment qu'on en fasse plus. Voilà. Alors, attends, je remonte, il y a eu pas mal de questions, notamment, j'ai vu sur la forme par rapport à la longueur des articles. Alors, on a des remarques. Textor Axel, d'ailleurs, je remarque que souvent, Mediapart a de superbes photos en accroche, mais assez peu dans l'article. Ouais, bah après, ça dépend des papiers, mais bon, généralement, il y a au moins une photo, et puis après, voilà. Mais ça dépend vraiment des articles, parce qu'il y a des articles qui se prêtent justement à un vrai travail photo, d'illustration et tout, d'autres un peu moins, donc c'est variable. Mais en tout cas, on a quand même franchi un vrai gap ces 2-3 dernières années, bah, depuis qu'on a embauché un responsable de la photographie, ce qui n'avait jamais existé en 12-13 ans à Mediapart, et depuis. On a franchi un petit gap. On a encore une grosse marge de progression, évidemment, mais c'est déjà mieux quand même. D'ailleurs, Muriel, si jamais tu veux mettre le lien du coup vers le live de Sébastien, pour ceux que ça intéresse sur la photo au journal, il y avait une question de double besogne à intelligence artificielle. J'ai vu que tous les deux étaient dans le groupe de travail. Ouais, on a lancé un groupe de travail la semaine dernière sur l'IA, voilà. Alors bonjour, si vous n'avez pas peur des robots, ce serait bien d'avoir la possibilité via une IA d'avoir l'article avec une taille de la plus courte à la plus exhaustive. Ok. Je sais pas si. Non, mais effectivement, enfin, je pense qu'on a tous et toutes à Mediapart testé ChatGPT en lui disant résume-moi tel article de Mediapart. Effectivement, c'est. Les résultats sont assez probants pour pas mal, mais bon, après, pour l'instant, on se refuse, et j'espère pas que pour l'instant, mais pour toujours,
on se refuse encore à utiliser ce genre d'outils, même si voilà, certains médias s'y mettent, hein, faut pas se le cacher, mais depuis longtemps, hein, ça remonte pas à ChatGPT, hein, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle, notamment ben, pour les résultats sportifs, est utilisée dans le journalisme, entre guillemets, mais nous, pour le moment, voilà, on l'utilise pas, mais bon, voilà, je sais pas quels sont l'état des débats dans quelques années, à quel point l'IA aura encore plus envahi nos vies qu'aujourd'hui, puisqu'elle est déjà là, hein, dans notre quotidien. C'est pas ChatGPT, c'est un outil supplémentaire, mais il y a déjà plein d'applications qu'on utilise au quotidien qui sont pilotées informatiquement par une intelligence artificielle. Donc voilà, mais à voir ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère qu'on y résistera le plus longtemps possible, évidemment. Ça, c'était oui, une remarque de Gigama, mais je pense que tu te souviens de ces débats. Ça serait bien d'avoir une sorte de barre de progression de lecture d'un article, un peu comme sur l'appli Libé, pour savoir où on en est. Ouais, donc complètement. Alors après, tu peux aussi te guider par la barre entre guillemets native de ton navigateur qui est sur le côté droit. Effectivement, il n'y a pas de grosse barre sur le côté haut. Ça fait partie des sujets qu'on a discuté. Rien ne dit qu'un jour on n'en aura pas. Voilà, c'était comme ce que ça rejoint un peu ce que tu dis là, c'est indiquer la lecture d'articles. Il y a pas mal de médias qui le font, mais nous, on avait peur, en fait, vu la longueur moyenne de nos papiers qui est quand même beaucoup plus haute que celle de certains de nos concurrents. Je pense à c'était Libération, Le Monde, ou qu'on avait peur que ça effraye les gens s'ils voient que sur la page d'accueil, il n'y a que des articles qui font entre 20 et 40 minutes de lecture et que du coup, ça rebute les gens. Donc pour le moment, on le fait pas, mais voilà, c'est des choses qu'on pourrait toujours mettre en place un jour. Hein, c'est à voir, hein, c'est pas quelque chose qui est figé. Une question de double besogne. On voit les gens qui ont gardé les bonnes pratiques là, de Dave Duff avec le cul entre parenthèses. Est-ce que ces outils de traitement de données ouvertes peuvent être utilisés par des entreprises basées à l'étranger ? Est-ce que vous n'avez pas peur que de faciliter le travail de services de renseignement étrangers ? Non, les données ouvertes, en fait, elles sont accessibles par tout le monde en France et à l'étranger. Donc c'est nous juste, on les retraite pour en faire une analyse et autre chose. Mais après, je vois pas trop, de toute façon, ce que les services de renseignement pourraient faire de données méga-bassines qui sont publiques de toute façon, de données sur les hélico de Martin Bouygues et Arnaud qui sont aussi publics. Arnaud, décidément, de Pinot et Bouygues. Après, c'est sûr, tout ça, c'est des données publiques. Ça arrive parfois qu'on travaille sur des bases de données peut-être un peu plus secrète entre guillemets, mais dans ces cas-là, on essaye de pas mettre à disposition la base de données au public et puis de plus nous contenter d'une analyse sans vraiment détailler tout ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà, mais c'est assez rare. Streamer Jean-Michel qui nous demande si les résumés d'articles c'est possible ou pas, et c'est possible, on en parlait un peu plus tôt dans le stream. C'est en train de se mettre en place. On en fait un petit peu depuis quelques mois. Après, c'est pas systématique. Faudrait peut-être qu'on le fasse plus souvent. T'as raison, ça va être le rôle aussi de ce nouveau pôle central d'édition, voilà, qui prend officiellement ses fonctions dans 15 jours. Donc peut-être qu'on en verra. On essaiera aussi de multiplier l'usage des encadrés pour essayer aussi de préciser des infos. Ça fait partie un peu des petites tâches qu'on va avoir pour rendre nos articles un peu plus lisibles, accessibles. Mais en tout cas, les résumés, c'est sûr que ça fait partie des pistes d'amélioration. Je remets vite fait le partage d'écran parce qu'il y a une question qui rebondit directement sur cet article, sur le comment tu as appelé ça, le co-helicoptering. On s'est arrêté là-dessus, mais si vous avez un autre mot. Sur le co-helicoptering, il y a Somnar qui demande, avec tout leur argent, ils ne peuvent pas acheter d'autres hélicos avec d'autres identifiants pour échapper au compte ? Parce que là, on voyait qu'ils n'avaient pas pris l'hélico depuis le 1er septembre. Ils boudent un petit peu. Alors après, malheureusement, mes compétences techniques en termes de... je ne sais pas si tous les hélicos doivent être obligatoirement traqués ou s'ils peuvent demander à ce qu'on coupe leur balise pour ne plus être repérable, détectable. Je pense que par mesure de sécurité, il faut quand même que l'hélico, qu'il y a quand même un plan de vol, qu'on puisse le suivre. Mais peut-être que d'autres pourront répondre sur le chat, mais moi, je ne sais pas si on peut couper le signal d'hélico pour être intraçable. Peut-être que c'est possible sur les hélicos et pas sur les avions. Je
je ne sais pas trop, j'avoue que j'ai pas toutes les compétences. Je pense que les collègues de, enfin les camarades de Mémoire Vive le savent peut-être un peu mieux que moi. Oui, les articles sont longs. Oui, ouais, ouais. Le plaisir coupable de Terence, c'est de lire un long article de Romaric Godin. Est-ce que Romaric, c'est pas quelque part le recordman en termes de longueur Oui, oui, c'est vrai que voilà, souvent quand on fait des tests à Mediapart sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour raccourcir un article, bah, on prend des papiers de Romaric. Voilà. Regarde, j'ai coupé 5 michines dans le Romaric et l'article est toujours aussi bien. Voilà, donc c'est un peu notre cobaye Romaric. Quand on essaye de voilà d'améliorer l'accessibilité des papiers, voilà, mais à part ça, bon, il fait des super papiers qui sont essentiels au journal et c'est un plaisir de l'avoir comme signature. Et puis comme le dit Olchevic, de toute façon Mediapart ne se lit pas comme les autres médias, c'est une autre consommation de l'info. Perso, je vous lis quand je suis posée au calme pour être bien concentrée. Complètement, voilà, mais. Voilà, l'idée, c'est aussi voilà, de pouvoir s'adapter à plusieurs publics, parce que bon, bah, c'est très bien si tu arrives à te poser et tout. Voilà, mais après, il y a d'autres gens qui vont nous lire, voilà, par exemple, entre deux métros, qui vont nous lire dans des endroits voilà, qui ne seraient pas forcément un truc hyper concentré, genre avec des enfants autour ou nanana. Donc, il faut aussi voilà, pouvoir être accessible. De toute façon, bon, on ne pourra jamais être accessible à peu près tout le monde, mais l'idée, c'est de pouvoir quand même voilà, aussi élargir notre public, surtout voilà, vu l'état de la presse aujourd'hui, qu'un média indépendant puisse être le plus grand public possible, c'est quand même voilà, une mission qui est importante pour nous. Oui, tout à fait. Et pour les personnes que je comprends qui trouvent que c'est un petit peu long, il y a aussi des articles qui sont lus. Tous les jours vous avez un article lu, voilà, on travaille alors non pas avec une intelligence artificielle puisque je vois que certains médias s'y sont mis, notamment Le Monde qui fait lire voilà, leurs articles par des voix synthétiques. Nous en fait ce qu'on a confié, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul article lu par jour puisqu'on pourrait pas produire beaucoup plus, c'est un comédien donc, qui s'appelle Jérémy Zilberberg et une comédienne qui s'appelle Christine Paris, donc comédienne de métier qui lisent voilà, des articles avec leur ton, leur voix qui leur est propre. Voilà, c'est eux-mêmes et elles-mêmes d'ailleurs qui choisissent les articles qu'ils lisent et c'est assez chouette. Voilà, vous pouvez voir les articles lus, notamment si vous êtes sur la page d'accueil, il y a un petit casque rouge voilà, qui apparaît pour signifier que l'audio est disponible. Tout à fait. Une question de Somme Lunard. Est-ce que Donatien a connu la bonne époque d'OVNI, je sais pas comment ça se prononce, comme OVNI ou pas, avec un W. OVNI, ouais. OVNI, média internet qui a pas mal œuvré pour le Dataviz en France à l'époque. Ben complètement. Enfin, OVNI, c'était. Alors je ne sais pas retracer la date exacte de leur naissance, mais ça doit être milieu, fin des années 2000, je dirais. Et en tout cas, c'est notamment eux qui avaient en France couvert Wikileaks à l'époque. Donc c'était plutôt, ouais, c'est ça, 2008, je ne sais pas, 2009 peut-être. Enfin voilà, peut-être que j'ai une bêtise. Ou peut-être plutôt 2006, ouais. Qui avaient couvert Wikileaks. Donc c'était voilà, un des premiers gros projets de data journalisme dans le monde. Puisqu'il s'agissait voilà, de retraiter une base de données de leaks du département d'État et de l'armée américaine. Et c'était, voilà, à l'époque, c'est vrai que le mot data journalisme n'existait pas vraiment encore, et c'était un des premiers gros projets auxquels OVNI s'était associé pour la France, de data journalisme. Et effectivement, enfin, OVNI a été un modèle voilà, énorme. Enfin, à l'époque, c'est les premiers en France à avoir fait travailler ensemble des journalistes, des développeurs, des statisticiens, des chercheurs, voilà, dans un média avec voilà, des points de vue hyper intéressants sur notamment les libertés publiques et compagnie, et la liberté aussi sur Internet. Et bon, malheureusement, aujourd'hui, ils sont disparus, mais ça reste, quoi qu'il arrive, une énorme, enfin, en tout cas à l'époque, une énorme source d'inspiration. Et c'est ce qui m'a aussi, parce que quand j'étais à l'école de journalisme, le data journalisme n'existait pas, donc du coup, j'étais pas du tout formé à ça, et c'est un des médias, disons, enfin, dont le travail m'a aussi inspiré au début pour essayer d'embrasser un petit peu cette spécialité et discipline.
Écoute, c'est la transition parfaite pour cette question de Terence. Quelle place a le data journalisme dans la formation des futurs journalistes? Peut-on mieux faire? Quid d'éventuels freins chez les étudiants quand on peut penser que cela implique une certaine maîtrise d'outils informatiques et éventuellement de langage de programmation? Ouais. Alors aujourd'hui, quasiment toutes les écoles de journalisme, alors je parle de celles qui sont entre guillemets reconnues par la profession, ont voilà, une formation au data journalisme, hein, que ce soit une spécialité en master ou alors des cours réguliers au cours de l'année. Donc c'est, je trouve que voilà, c'est en tout cas par rapport à mon époque, donc 2004-2007, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus visible, donc aussi de beaucoup plus ancré dans les formations de journalisme. Et à propos des freins, donc effectivement, donc en termes d'outils, bon, on peut faire du data journalisme avec Excel, évidemment, enfin Excel ou équivalent, Google Sheets, LibreOffice, enfin voilà tout ce qui est tableur. Après, c'est vrai que si on veut travailler sur des plus grosses bases de données, bah, il faudra forcément apprendre un langage informatique, hein, les plus couramment utilisé, donc il y a deux écoles, hein. C'est Python ou R, comme la lettre R. Moi, je suis plutôt team R, mais je sais que d'autres sont plutôt team Python, donc c'est un peu le gros clash dans le milieu des data journalisme. Et c'est vrai que pour analyser des plus grosses bases de données, bah, forcément Excel ou équivalent vont montrer des limites, forcément, puisqu'on ne peut pas tout faire avec Excel, donc on va devoir effectivement apprendre un langage informatique pour analyser ces grosses bases de données. Après, voilà, un langage informatique, ça s'apprend, ça se pratique. C'est pas insurmontable pour des jeunes journalistes. Après, bon, tout le monde n'a pas forcément envie de coder, mais de toute façon, tout le monde n'a pas besoin de devenir data journaliste. Hein. Je pense que c'est important de se former à ce que sont les données, un peu à la philosophie des données, pour pas faire d'erreurs d'analyse quand on est face à une base de données. Mais après, c'est pas forcément voilà indispensable que tout le monde soit formé à tout ça et que voilà. Et puis, un langage informatique, ça s'apprend, hein. C'est un peu comme une langue étrangère, c'est un peu comme voilà, comme des choses. Il y a aujourd'hui en plus le truc génial, c'est que comme R et Python sont des langages open source, ben, ça fait que tout est disponible en ligne, tous les tutos, tous les codes. Si on a un blocage, ben, on pose une question sur Google et on a la réponse quasiment instantanément. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quand même relativement accessible d'apprendre un langage. Et pour le data journalisme, en tout cas, c'est super. C'est super utile, puisque apprendre un langage, ça veut dire pouvoir derrière analyser tout type de base de données et pas seulement les petits fichiers XLS du ministère de l'Intérieur ou de l'INSEE, quoi. Voilà. Là, écoute, tu as lancé un débat parce qu'il y a des abonnés qui sont en mode R avec le cœur, mais il y en a d'autres qui demandent et pourquoi R plutôt que Python? Alors ça, je ne saurais pas répondre à ces questions. C'est juste que en fait, ça dépend des rencontres. Moi, je sais que R, c'est parce que j'ai rencontré quelques data journalistes qui m'ont parlé de R et je me suis dit, bah, tiens, ça a l'air super cool. En plus, j'ai trouvé une formation qui m'allait très bien, une formation en ligne, c'était un mock. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me forme à ça, je trouve l'interface accessible. Mais après, bon, au final, ça aurait très bien pu être Python aussi. Franchement, je n'ai pas d'argument pour l'autre. Je vois que Sam Lunard mentionne ggplot. Ben, effectivement, c'est aussi pour ggplot que R est super utile, puisque ggplot, en fait, c'est un... c'est une librairie, donc R, qui permet de faire de la visualisation de données, et je pense que c'est la librairie la plus complète qui existe dans tout l'Internet pour faire de la visualisation de données. Donc effectivement, quand on est comme moi assez orienté visualisation et pas seulement analyse, bah, c'est vrai que R est quand même recommandé ou un peu mieux pratique. Je ne dis pas qu'on ne veut pas faire de visualisation dans Python, mais je trouve en tout cas que ggplot est plus complet. Après, l'avantage que je dirais à Python, c'est que Python est un langage un peu plus universel que R, alors que R est quand même plutôt orienté statistique, quoi. Voilà, avec Python, on peut aussi faire d'autres choses, comme des sites internet ou des choses comme ça, quoi. Voilà. J'entends des plic-ploc, j'ai l'impression qu'il pleut à l'intérieur, ça m'angoisse. Bah, il pleut dehors, ça c'est sûr, mais si tu tends l'oreille, il pleut aussi dans les locaux. Bon, peut-être qu'on aura encore un petit bug dû à la pluie. Je remonte un peu dans les questions. Est-ce que tu sais imiter Edwin ou demande sa trappe là en face du Coca Light? Non, voilà. Non, désolé, je ne me permettrai pas. Pensez-vous faire une application de ces data dans une optique type proxémie? Là, une question sérieuse cette fois-ci de Satrap.
Alors, je ne sais pas ce que c'est, Proximi, je suis désolée, ça te rappelle. Explique-nous si tu veux, ouais, pendant ce temps, voilà. Il y avait une autre question que j'avais mise de côté. Alors, il y a une remarque de Ad Vitam, un mot sur l'organisation écolo Extinction Rébellion qui a tué des poissons à Colmar. Et non, pas vraiment, parce qu'en fait, là, ce n'est pas du tout un stream sur l'écologie, on parle data-journalisme. Bon, je vais revenir après. Je n'étais pas sûre d'avoir vu une question sur est-ce qu'on avait eu des raids de trolls en mode pharma-troll et intelligence artificielle. C'était quand? C'était où? Là, ah oui, 11 cap 11. Êtes-vous de plus en plus trollé par de faux articles, fausses informations générées par les IA et les pharma-trolls? Oui, bah, ça peut, bah, des faux articles, oui, ça peut arriver parfois, bah, voilà, que des agences, un petit peu de désinformation, hein, je pense à Visa Partners, par exemple. Je cherche l'article. Voilà, dans, bah, notamment, ils avaient utilisé le club de Mediapart, hein, pour produire de faux articles. Après, des pharma-trolls, non, je crois pas, hein, enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Pas à ma connaissance non plus. Alors peut-être côté réseaux sociaux, ça peut arriver, mais en tout cas dans, chez nous, dans l'espace commentaire et nous, je pense qu'on a justement une architecture suffisamment solide pour éviter ce genre de mésaventures. Bon, ça peut arriver parfois qu'on ait des attaques, hein, par des nids de service aussi, mais ça c'est encore autre chose, hein, c'est pour rendre notre site hors service, mais sans vraiment savoir qui est derrière à chaque fois. Donc pour le moment, non, c'est difficile à mesurer, mais effectivement, les gens parfois peuvent se servir de l'espace participatif de Mediapart pour mener des opérations d'intox. Mais l'avantage, c'est que chez nous, et Anna peut en témoigner, on a une modération humaine. Donc généralement, ce genre de choses, on arrive à le détecter au bout d'un moment. Alors que voilà, c'est vrai que certains médias, quand ils ont un espace commentaire, ils le confient, voilà, à des intelligences artificielles justement pour la modération. Et parfois, forcément, il y a des choses un peu d'intox qui passent à travers les trous de la raquette, alors que chez nous, justement, le fait qu'on ait cette modération humaine, que ce soit côté commentaire ou côté du club de Mediapart, donc l'espace de blog participatif, ça fait qu'on arrive généralement à un peu mieux détecter ce qui pose problème, quoi. Oui, et côté commentaire, c'est vraiment rarissime que les gens qui posent des commentaires soient des fausses personnes en mode service commandé. Ça arrive, mais c'est très rare, c'est sur des sujets vraiment bien particuliers. Et il y a plusieurs fois des abonnés qui nous ont écrit à Tarek et moi pour me dire « Oui, un tel, je l'ai repéré, c'est sûr, il y a une pharma troll et tout. » Non, souvent, c'est juste des abonnés lambda et qui peuvent agacer les autres. Mais voilà, après, c'est différent côté club, comme le disait Donatien. Il y a eu vraiment, pour le coup, là, les opérations avec Avisa Partners qui ont visé le club pour produire des billets. Donc, ce n'est pas la même chose que pour les commentaires. Je ne comprends pas, Charles Van, cette question. Avez-vous pensé à brancher l'ordinateur? L'ordinateur est branché. Il y avait un témoignage aussi de Marsu, qui est en école. Voilà, pour être en master, j'ai des cours de data et c'est clivant. Soit on adore, soit on déteste. C'est comme les maths. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde, voilà, n'est pas fait pour être data journaliste. Mais en tout cas, ça me semble important qu'on ait sans forcément apprendre à coder, voilà, ou comme on doit être forcé à apprendre à faire des maths, c'est important, je pense, de comprendre un peu la base pour voilà, pas faire d'erreurs grossières quand on est amené à analyser des données ou à démonter, par exemple, l'argumentation du gouvernement qui est, voilà, qui est expert aussi dans la manipulation des données. Ok. Karim B., que penses-tu des intelligences artificielles proposant de la visualisation data? Oui, bah, ça peut être utile. Après, voilà, dans le journalisme, je pense que c'est mieux si ce sont les journalistes qui fabriquent ces visualisations et pas l'intelligence artificielle. Mais après, oui, enfin, c'est... effectivement, pour visualiser une base de données, on peut, enfin, l'IA peut aussi faire le taf pour certains trucs sans, voilà, sans qu'on ait à tout refaire à la main derrière. Ça dépend vraiment des cas de figure. Ok, Charles Van, il a complété. Il a dit la semaine dernière, on a dû se quitter dans le noir. Donc, alors déjà, c'était il y a 15 jours. Et ce n'est pas l'ordinateur qui... Il n'y a pas un problème de branchement sur l'ordinateur, c'était sur la caméra, puisqu'il y a eu ce message terrible de batterie épuisée qui s'est affiché avant que tout s'éteigne. Vous inquiétez pas ce soir. Tout est branché, il y a de la batterie dans tout. Voilà, à part qu'il pleut sur le matos, mais sinon, tout va bien. On a
pas du tout pris encore d'exemple de tes infographies, mais j'ai vu qu'il y avait une question qui nous faisait la passerelle parfaite. Je vais revenir sur les questions qui ont déjà été posées, j'en ai vu plein d'intéressantes, mais il y en avait une de Somme Lunard. Est-ce que Donatien pourrait nous raconter un peu plus les étapes de son travail pour arriver jusqu'à publication de l'article des hélicos? En prenant un autre exemple, on avait mis de côté des exemples, notamment, je ne sais plus si tu voulais commencer avec celui-ci. Ouais, comme tu préfères. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ce soit donc sur ce qu'on a vu précédemment, donc les mégabassines ou l'hélico de Bouygues et Pinault, donc ce sont des bases de données publiques. Mais ce qu'on fait aussi parfois à Mediapart, et ce que font aussi beaucoup de confrères, c'est quand les données n'existent pas, on peut aussi créer ses propres bases de données. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, donc c'est sourcer les données par des informations disponibles publiquement mais qui ne sont pas compilées dans une base de données. Et ce qu'on a fait donc avec, c'était l'idée d'une collègue qui s'appelle Lou Sira. On lui fait un petit coucou. C'était au printemps dernier. On a constaté qu'aucune base de données n'existait sur les atteintes aux édifices religieux en France. Le ministère de l'Intérieur donnait tous les ans un bilan global, mais sans aucun détail sur quelle mosquée était attaquée, quand, comment. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a plusieurs semaines travailler à compiler une base de données sur les atteintes aux mosquées en France. On est parti de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui était un peu le tournant, puisque c'était le premier attentat de masse visant des musulmans dans le monde occidental. Et on est parti de là pour essayer de recenser un petit peu toutes les atteintes aux mosquées, que ce soit ça peut être des incendies, des attaques à main armée, attaques à la voiture bélier, des jets de jambon, ça peut être différents moyens, des dégradations en tout genre. Et on a essayé justement en les datant, en les contextualisant, de regarder où est-ce qu'elles avaient été commises. Donc là, on voit la carte par exemple s'afficher sur. On voit que par exemple, la Bretagne est un peu surreprésentée. À quel moment on a vu que ça correspondait les attaques étaient un peu plus intenses au moment de l'assassinat de Samuel Paty, au moment de la charte des imams, au moment aussi de la. C'était juste au-dessus, de la candidature d'Éric Zemmour. Et donc, ça permet de sortir un peu toutes ces atteintes, toutes ces attaques de la case des faits divers, parce que souvent, c'est vraiment traité à la rubrique faits divers, et d'en faire une analyse avec plus de hauteur, un peu plus sur le long terme aussi, pour voir un petit peu, en décortiquant chaque cas, ce qui devient de toutes ces affaires. Notamment, on s'est intéressé au suivi judiciaire de tout ça, et on s'est rendu compte que sur 77 attaques, il n'y a eu que 6 condamnations. Non seulement on a recensé le type d'attaque, la date de l'attaque et tout, mais aussi leur devenir judiciaire. On s'est rendu compte que la moitié des, même plus, les trois quarts des affaires n'avaient jamais été élucidées, que beaucoup avaient été classés sans suite, très peu avaient donné une condamnation. Donc ça permet aussi de montrer à quel point les autorités semblent assez peu prendre au sérieux ces atteintes, ces affaires. Et donc ça peut refléter aussi d'une certaine manière l'islamophobie en France, sachant que cette base de données pour la constituer, on s'est basé à la fois sur des articles de presse, notamment de presse régionale qui avaient traité de ces faits, mais aussi en appelant les mosquées concernées, en appelant les tribunaux d'où ressortaient ces mosquées. Donc ça nous a permis quand même d'avoir une base de données qui est factuelle, qui ne semble pas vraiment contestable, puisque on a vraiment récupéré des infos qui étaient établies, on n'a rien inventé. Ça permet, que le data journalisme, dans ce cas-là, permet de donner à lire et avoir un sujet inédit qui n'avait jamais été traité ailleurs. Et c'est assez intéressant. Parmi les autres exemples célèbres de bases de données un petit peu crowdsourcées, c'était aussi tout le projet de David Dufresne à l'époque, Allo Place Beauvau. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais sans doute, Anaïs va l'afficher. Et c'était pareil, donc c'était
Bah, tu peux prendre le premier lien. Donc, c'était un journaliste, voilà, donc, David Dufresne, qui avait recensé toutes les violences pendant les manifestations de Gilets jaunes dans un contexte de maintien de l'ordre. Et qui avait, voilà, si tu cliques sur le premier, la première fenêtre à gauche, voilà. Dans mes souvenirs, ouais. Il y a des images un peu graphiques, peut-être, si ouais. Jamais. Voilà. Si vous êtes un peu. Ouais, c'est le trigger warning. Ouais. Bon, il y a des photos qui peuvent un peu. Voilà. Être stressant. Et donc ça permettrait en fait de voir en mettant, voilà, donc il s'est basé sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur Twitter à l'époque, qui était un média très utilisé par les manifestants et manifestantes pour voilà, poster des violences policières. Bah, il s'est basé là-dessus pour établir une base de données en fait, des violences envers les gilets jaunes, type de blessure, type de personnes visées, voilà, aussi à quelle date, les armes utilisées par la police, ça pouvait être aussi la localisation des différents événements, et tout ça accompagné voilà, de papiers plus pédagogues sur notamment bah, dans quel contexte peuvent être utilisées telle ou telle arme. Et voilà, donc c'était une sorte voilà, de base de données géante. Et évidemment, cette base de données, bah, le ministère de l'Intérieur ne la tient pas, ou en tout cas, s'ils la tiennent, ils ne la rendent pas publique. Donc c'est là où, voilà, où je trouve que le data journalisme a un vrai intérêt et un vrai impact aussi, puisque ça permet ce recensement, de visualiser aussi tout ça sur des cartes. Donc c'est hyper accessible. En fait, on voit tout de suite l'étendue des violences, parce qu'effectivement, les gens vont prendre les violences une par une. Il y a un type qui s'est fait brogner là, une autre qui s'est fait arracher sa main là, un autre qui s'est fait tabasser par les flics là. Voilà, mais pris un, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on rassemble tout ça, quand on agrège toutes ces données, bah ça, voilà, il y a un vrai message, il y a un vrai impact aussi derrière chez les lecteurs et lectrices, quoi. Bah, tu en as un petit peu répondu, mais on se demande, est-ce que les autorités publiques s'appuient sur ces données en général? Est-ce que tu as déjà eu, oui, vent de bah, voilà, cette infographie, elle a servi à... Alors ça, voilà, je sais pas trop comment les autorités derrière utilisent ces données. Et est-ce qu'elles les utilisent? Est-ce que voilà, ça je sais pas. Franchement, c'est possible que oui, hein, c'est... Voilà. Parfois, voilà, il y a certains projets de data journalisme qui ont un tel impact que les autorités sont voilà, obligées de s'en saisir. Mais parfois, tout bêtement, c'est parfois même des données publiques hein, que les autorités n'ont jamais exploitées, mais qu'on met en, sur lesquelles on récupère, sur lesquelles on enquête. Du coup, les autorités se disent bah, en fait, ouais, ça pose un problème, donc on va devoir agir et faire quelque chose. Donc voilà, ça. Je ne pense pas qu'il se saisisse de, voilà, de tous les travaux qu'on fait, évidemment, mais bon, c'est, voilà, c'est varié. Ouais. Je remonte un peu là dans le chat, il y avait cette question de Terence. Quels sont les domaines où il y a un manque de données publiques qui pourraient être utiles pour les data journalistes, bien que peut-être éloignés des sujets qui seront traités lors des prochains états généraux du journalisme? Quelles questions pourraient-elles être mises sur la table? Alors, des domaines où il y a un manque de données publiques. Et qui pourraient être utiles aux data journalistes? Ouais, alors bah, je pense souvent au sujet de police-justice, grosso modo. C'est vrai que souvent, bon, on a des données qui sont souvent parcellaires, partielles. Donc parfois, c'est difficile de, bah, de retracer, par exemple, les suites judiciaires de telle affaire de police dans leur globalité. Peut-être qu'on pourra y venir après, parce que justement, on avait travaillé avec... avec mes collègues Lénaïque Bredoux et Marine Turki, sur le devenir des grandes affaires médiatisées depuis MeToo en 2017. On s'était intéressé, voilà, au-delà des enquêtes de journalistes, au-delà voilà, des différents témoignages de victimes de violences sexuelles dans l'espace public, voilà, quelle suite avait été donnée à toutes ces plaintes. Et du coup, pareil, ben, on avait repris, on s'est arrêté sur voilà, 100 affaires tout rond, voilà, qui avait un peu, donc qui concernait des personnalités et qui avait été publié depuis MeToo. Donc MeToo, hein, ça monte à 2017. Et on avait un petit peu bah, essayé de retracer tout le, puisque ces données n'existent pas, tout le suivi judiciaire de ces différentes plaintes ou procédures judiciaires, ou d'ailleurs il n'y avait pas de plainte dans certains cas. Et on avait essayé, voilà, de voir ce qu'elles étaient devenues. Bon, en l'occurrence, évidemment, il y a eu relativement peu de condamnations sur l'ensemble des affaires, même si voilà, 85% d'entre elles avaient été judiciarisées. Mais voilà, on s'était ben,
penché là-dessus, justement du fait de l'absence de données publiques, hein, ce qui est assez souvent le cas dans le domaine judiciaire, quand même, faut bien le dire. Et voilà, et ça permet aussi voilà, une analyse un peu plus méta. Bon, sachant que là, on s'est basé uniquement sur 100 affaires, donc on ne peut pas en tirer une analyse qui vaut pour l'ensemble des procédures judiciaires voilà, en termes de violence sexuelle, mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de, voilà, de la manière dont sont traitées judiciairement ces affaires et de comment bah, la justice aussi considère voilà, cette problématique de violence sexuelle. Et est-ce qu'à l'inverse, je ne retrouve plus le pseudo de la personne qui a posé la question, il y a un domaine où il y a vraiment beaucoup de données facilement accessibles ? Ouais, mais complètement. Bah, je pense le domaine du climat, par exemple. Enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui sont produites à différents niveaux. Bah, tout ce qui est statistiques économiques aussi. Hein. Franchement, il y a plein de trucs. Hein. Disons qu'il y a des ministères quand même qui sont plus producteurs de données que d'autres. Voilà, je pense que le ministère du Travail fait beaucoup de choses, le ministère de l'Économie et des Finances aussi. Bon, les données climat ne viennent pas forcément du ministère de l'Écologie, mais il y a plein d'organisations dans le monde qui en produisent. Là, récemment, par exemple, il y a Copernicus, donc, qui est un institut européen qui travaille sur les données satellitaires, qui a par exemple, c'était assez impressionnant, estimé le nombre exact de bâtiments détruits lors des inondations en Libye, en catégorisant les bâtiments si c'était résidentiel ou pas résidentiel. Je pense à ça parce que j'ai travaillé un peu là-dessus la semaine dernière. Et ils produisent une liste de 4000 bâtiments à Derna, donc cette ville qui a été la côtière, qui a été la plus touchée par cet ouragan, les inondations. Voilà, grâce aux satellites, ils peuvent produire une base de données qui montre quels bâtiments ont été détruits ou pas dans cette ville. Et du coup, on peut visualiser des petits points rouges, des petits points oranges en fonction si le bâtiment était seulement détruit ou endommagé, l'étendue des dégâts. Et c'est absolument génial. Et Copernicus, c'est aussi eux, par exemple, qui permettent d'estimer le nombre d'hectares de forêts brûlées, par exemple, lors des incendies qu'on connaît, qu'on a connus tout l'été, qu'on connaît encore, de forêts au Canada ou même en Europe, un peu partout. Donc, c'est. Voilà. Donc. Côté climat, il y a énormément de données qui sont produites. Voilà, je pense qu'on n'en a pas encore découvert. On n'en a découvert encore qu'une partie côté journalistique. Donc, il y a encore un énorme champ à explorer. Et c'est ça qui est assez passionnant, en fait. Une mini parenthèse, parce qu'il y a une question tout à l'heure, qui a dû apparaître tout à l'heure sur la monnaie de streamer Jean-Michel. Quels sont les pires abonnés, les militants insoumis, écolos, les fans de Friot ou les fans de Lordon ? Bah, vraiment, les sujets les plus difficiles à modérer, en fait, c'est les mêmes qui sont un peu sensibles en repas de famille où tu as ton tonton de droite, tu vois. Ça va être tout ce qui touche, en fait, de près ou de loin à l'islam. Là, c'est un guépier souvent à modérer, tout ce qui est VSS. Voilà. Et après, ce qui m'a le plus surprise en arrivant à Mediapart, quand je suis arrivée, mes collègues m'ont prévenu, m'ont dit, tu vas voir, c'est vraiment chaud, c'est la psychanalyse. Et c'est vrai. Les gens sont grave vénères et ils s'insultent très vite. C'est un sujet clivant, mais et un peu le théâtre aussi, voilà, bizarrement. Bon, sur le reste, il n'y a pas trop de surprises. J'avais une question de 11 cap 11. Êtes-vous formé en interne ou via des... Ah non, alors pardon. Là, il faut vraiment que je la pose parce qu'elle date d'il y a 100 ans à force cette question de Marsu. Combien on est de data journalistes à Mediapart ? Eh ben, on a un exemplaire unique... Oui, voilà, mais après, il y a pas mal de collègues qui travaillent sur des données. Hein. Voilà, je pense notamment à mes collègues qui travaillent sur les leaks, donc Yann Philippin, par exemple, qui est aussi tout à fait à l'aise avec des outils d'analyse de données, puisque lui, il peut travailler sur... C'est un autre aspect du travail du data journalisme. Ça va être quand on reçoit 20 millions de documents, je donne un exemple, 20 millions de documents, évidemment, on ne pourra jamais lire les 20 millions de documents, donc on va mettre en place des outils informatiques pour extraire de l'information de tous ces documents. Donc, on va, même si on ne va pas forcément rentrer dans un tableau Excel, même si on ne va pas forcément coder pour analyser, extraire de la donnée, on va quand même, en utilisant ces outils, faire du data journalisme en essayant justement de trouver de l'info dans une immense base de données. Je pense, quand j'ai vu mon document, je pense à Football Leaks. Hein, c'était ce grand leak, cette grande fuite de données sur le milieu corrompu du football. On avait fait tout un travail justement en travaillant avec des développeurs, des informaticiens, pour indexer tous ces documents et pouvoir derrière qu'ils soient... comme dans un moteur de recherche, recherchable par des êtres humains. Donc, après,
Voilà, on est plusieurs voilà, au service enquête. Voilà, beaucoup font un peu de data. Pareil au service ECOSOC, ils savent tous aussi comment manier un document Excel. Voilà, donc c'est pas un domaine réservé. D'ailleurs, même moi, j'ai pas le titre de data journaliste. Forcément, j'en fais, mais voilà. Enfin, c'est disons que l'idée, c'est aussi que je puisse évangéliser les collègues qui viennent me voir. Tiens, j'ai telle base de données, et du coup, je leur montre aussi un petit peu comment regarder des données, comment éventuellement les analyser, quelles infos en tirer. Donc voilà. En tout cas, je travaille pas tout seul dans mon coin. Le plus souvent, c'est je travaille avec des collègues. Avec moi, et c'est super cool comme ça, parce que de toute façon, quand tu es data journaliste, on ne peut pas être spécialiste en tout, et le fait est qu'à Mediapart, on a ce qu'on appelle des rubricards, donc des gens spécialistes de leur sujet. Donc c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est aller travailler avec des gens qui connaissent leur sujet, comme ça, ils peuvent aussi m'aiguiller sur telle base de données, voilà, ça, tu dois regarder là-bas, parce que c'est intéressant, et puis tu me dis ce que t'en tires, donc c'est aussi pour ça, quand je disais que le data journalisme permet aussi de sortir de son carcan, c'est que ça permet aussi beaucoup plus la collaboration. C'est quasiment une définition du métier, c'est hyper collaboratif, beaucoup plus que l'enquêteur tout seul ou l'enquêtrice tout seul dans son coin sur son sujet. Donc c'est ça qui est sympa aussi, quoi. J'ai fait un arc de hors-sujet, du coup, à cause de moi, sur le théâtre et la psychanalyse, puisqu'il y a Karim qui dit « Je vous propose de lire Jacques Van Rialer sur la psychanalyse freudienne ». Et tout à fait, c'est un abonné. Il est dans le club de Mediapart et il publie de nombreux billets. Blaine Reuter, c'est un gros enjeu pour les personnes autistes. La place de la psychanalyse en France, on a tendance à être, disons, obstinée. Terence, je n'ose imaginer le résultat si un article portait sur une pièce de théâtre concernant la psychanalyse. Alors, la pire insulte que j'ai jamais vue en presque 4 ans et demi ici, c'était sous un billet de blog sur le théâtre. Et l'abonné, je ne sais pas s'il regarde, Pêcheur, désolé de l'afficher, mais il avait quand même écrit à un autre abonné, juste en parlant de théâtre, « Va te poignarder le cul avec des merguez ». Donc on était à ce niveau-là quand même de violence sur une histoire de théâtre. Force Mustang, désolé, il n'y aura pas de quiz ce soir pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas le temps de le préparer. Et la deuxième, c'est aussi que le quiz que Tarek vous a fait la semaine dernière, il marchait bien en live, mais en fait sur le replay, il n'est pas visible, c'est un peu dommage, donc on va chercher un autre outil qui permettra voilà, d'être aussi visible pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, parce qu'elles sont nombreuses. Donc si jamais dans le chat vous avez des conseils d'outils de quiz que vous... Moi je dis quiz, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous en conseiller, qui fonctionne et en live et qui soit visible après pour le replay. Est-ce que c'est Somlunar qui te demande, est-ce que tu as déjà été surpris par une analyse dont les résultats étaient à l'opposé de tes intuitions ? Alors, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais oui, ça peut arriver. Je sèche un peu sur l'exemple parce que pourtant ça m'est arrivé, mais ça peut arriver. C'est vrai que quand on fait du data journalisme, en fait, c'est quasiment, on a une démarche qui est vraiment scientifique, quoi. On va formuler une hypothèse de départ, parce que l'idée, c'est qu'on n'attaque jamais des données en mode saut dans le vide. On essaie toujours quand même de se poser des questions, de la même manière que quand on aborde un sujet en règle générale dans le journalisme, on va choisir un angle. Voilà, c'est un peu pareil, quand on approche une base de données, on formule une hypothèse, et grâce à l'analyse de données, on va avoir la réponse à cette hypothèse. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc ça peut effectivement arriver que l'analyse ou la réponse soit contraire à l'hypothèse de départ qu'on a posée. Du coup, on va formuler une autre hypothèse, pour voir si les résultats peuvent correspondre à l'autre hypothèthèse et ainsi de suite, quoi. Ouais. Oui, donc ce que dit Karim B, l'analyse permet de corriger ton intuition dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Il y avait une autre question que j'ai oubliée. Est-ce que tu as... Ah oui, alors attendez. Celle de question, l'action de Force Mustang, là, je la garde sous le coude, mais il y en avait une autre, c'était une de Baladur Ultra Instinct qui te demandait si le data journalisme, c'était quelque chose qui était orienté ou pas. Je crois que c'était ça la question. Ou est-ce que c'est neutre le data journalisme? En substance, c'était ça. Je la retrouve pas. Ouais, oui, est-ce que alors, une façon d'informer qui est orientée ou neutre? Oui. Après, ça peut toujours être orienté. Enfin, les données, on peut en faire absolument n'importe quoi, et on voit très bien d'ailleurs avec les gouvernants qui souvent, peuvent utiliser les données à mauvais escient, ou en tout cas
les analyser de manière totalement fausse. Mais pour moi, je pense que c'est un des champs du journalisme qui est le plus crédible. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on fait du data journalisme, on va donner l'accès à la source des données. L'idée, c'est que quand on fait ça, ça puisse devenir... déjà, on fait œuvre de transparence, puisqu'on donne vraiment accès à la base de données avec laquelle on a travaillé. Et du coup, ça rend souvent les choses... quand on a bien fait son travail, difficilement contestable, puisque n'importe qui peut derrière, en ayant accès à cette base de données, valider ou pas notre analyse, ce qui est moins le cas avec d'autres articles où on ne donne pas forcément les sources exactes vers les données, etc. etc. Donc l'idée en fait, du data journalisme, c'est que comme on se base sur des bases de données qui sont souvent publiques, que nous-mêmes, on fasse œuvre aussi de transparence et qu'on puisse donner l'accès aux différentes sources. C'est ce qu'on appelle le sourcing, et ça, c'est une des principales recommandations que je fais en général quand je parle à des gens qui font du data journalisme. Donc c'est ne jamais outsourcer vos données, toujours bien sourcer, comme ça on est le plus carré possible et le plus incontestable et le plus inattaquable aussi, quoi. Alors la question que je voulais poser de 11 Cap 11, est-ce que tu es formé en interne ou via des organismes de renseignement pour protéger tes sources et donner ta vie de journaliste, ou est-ce que ça s'apprend avec l'expérience ou sur le terrain, ou avec l'expérience des anciens? C'est un petit peu des deux. On a des formations à la sécurité informatique qui sont dispensées en interne, notamment par Yacine, notre collègue chargée de sécurité informatique. DevSecOps. Exactement. Qui était dans cette émission il y a quelques semaines. Il a fait la dernière, de l'été. Donc en tout cas, on est vachement sensibilisé par toute l'équipe, notamment qu'on appelle Infra, qui fait beaucoup aussi pour nous protéger, pour assurer notre sécurité. Beaucoup de sensibilisation, évidemment l'expérience des anciens joue aussi beaucoup, sachant que sur le web les anciens sont pas forcément de meilleurs conseils puisque ils ont pas forcément grandi avec internet, donc ils sont un peu moins méfiants que la plus jeune génération. Je veux balancer personne évidemment, en tout cas on est à Mediapart vachement sensibilisé là-dessus et c'est un pilier important du journal, puisqu'on on sait qu'on peut se faire espionner, c'est déjà arrivé d'ailleurs, l'affaire Pegasus notamment, donc on est vigilant et on voilà plus possible. Oui, Obsidian disait, on n'a pas déjà établi que le neutre n'existe pas réellement dans le journalisme. La neutralité, non, mais par contre, on peut être objectif. Pour moi, la neutralité, c'est une bêtise de penser qu'on peut être neutre, mais en tout cas, on essaie d'être le plus objectif possible. Quand on est dans un cadre d'analyse, d'enquête, après, il y a des formats éditoriaux, je pense, au parti pris à l'éditorial, où là, on peut se permettre de prendre position sur quelque chose, et donc peut-être de faire preuve d'un peu plus de subjectivité. Mais généralement, on essaye le plus possible, quand ce format n'est pas indiqué éditorial ou parti pris, de rester le plus objectif possible, mais pas neutre, non, ça c'est clair. Somme Lunard te demande si tu as un avis sur les camemberts. Il précise pour les gens comme moi, les pie charts. J'ai cru qu'on allait vraiment parler fromage ce soir. Je suis déçue. J'aime bien le camembert, même si c'est normand. Mais allez. Vous aurez compris, je suis breton. Mais par contre, dans le pie chart, c'est pareil. Je trouve que c'est vrai que c'est une utilisation auquel les gens se sont habitués, mais ça a tendance quand même à vachement déformer les ongles et donc à pas forcément bien percevoir une réalité. Donc souvent, je l'utilise pas. Je suis plutôt client de remplacer un camembert par un bar chart, donc un diagramme à bâton ou à barre. C'est beaucoup plus clair, parce que un camembert, on voit pas exactement les différences entre les différentes tranches. C'est pas hyper. On voit l'idée, mais dans le détail, c'est un peu moins clair. Donc je n'en mets jamais. Et dès que j'en vois un dans le journal, je le chasse immédiatement. Voilà.
Salut TechPike, on a une chaîne Twitch depuis décembre dernier et une émission, celle-ci, abonnez-vous tous les lundis à 19h. Est-ce que, oui, le son est très faible. Mais, alors, mets le son maximum. On a eu, je ne sais pas pourquoi, un petit problème de micro, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'autres remarques, donc je pensais que c'était résolu. On va être vraiment s'évercher à parler face à notre micro, même si ça nous fait nous tenir un peu courbés. J'hésite même à baisser ma chaise pour être plus en face. Mais là, j'ai l'air toute petite, bon, c'est pas grave. Alors, on va répondre encore à quelques questions, puis après on va revenir aussi, on n'a pas montré l'exemple sur les inégalités climatiques qu'on a mis de côté. Mais est-ce que les datas ne montrent pas justement que le Mont-Saint-Michel est normand ? Tout à fait, c'est mon grand débat avec la fameuse rivière qui est plus côté... qui met le Mont Saint-Michel en Bretagne. Mais il n'y a pas de débat, le Mont Saint-Michel, mais c'est le prénom qui est historiquement la frontière naturelle entre la Bretagne et la Normandie. Et à force, c'est à cause du changement climatique. Il s'est déplacé. C'est ce qu'on raconte en Bretagne en tout cas. Je n'ai pas été vérifié par moi-même. Mais il s'est déplacé côté normand, ce qui fait que le Mont Saint-Michel, géographiquement, est en Bretagne. Tout à fait. Mais la seule fois où vous avez vu le Mont Saint-Michel, vous l'avez mis le feu, les Bretons, là. C'est quoi ça ? Ah là là. Qu'est-ce qu'on mange comme fromage en Bretagne ? En Bretagne, on a quelques laiteries sympas, des petits producteurs de chèvres notamment, fromage de vache. Enfin, je vais pas faire de pub au fromage breton parce que c'est une marque, mais on mange en tout cas près de Lorient à Plouet un bon petit fromage, qui s'appelle le petit Lorientais que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était la fin de la parenthèse bretonne. Il n'y a pas un seul camembert dans l'article sur MeToo, par exemple. C'est ça, parce que là, dans MeToo, l'article MeToo, justement, c'est beaucoup de diagrammes à barres ou à bâtons, ça, il y a deux manières de les appeler. Donc c'est effectivement, il n'y a pas de camembert du tout là-dessus. Mais après, c'est vrai que la grammaire de la visualisation, c'est une discipline à part entière qui dépasse largement le cadre du data journalisme. Il y a plein de do's and don'ts, de choses à faire, à pas faire. Et c'est une science, la science de l'image, de la visualisation, c'est un champ énorme où il y a même des formations universitaires aux États-Unis spécifiques là-dessus. Donc, il y a plein de choses à faire, à pas faire. Oui, j'ai baissé mon siège, mais c'est pas une bonne idée. Hop. Voilà. Juste faire gaffe à parler dans le micro. Et là, avec les travaux, tout a bougé. Les micros, ils étaient plus à leur place. Bon, bref. C'est quoi la différence entre un bon journaliste et un mauvais journaliste dédicace aux inconnus ? Ça, je ne sais pas trop répondre à ça, malheureusement. Je pense que le bon journaliste est breton, déjà, pour commencer. C'est ça, ce qui est le cas d'Edoui Plenel, d'ailleurs. Dédicace au patron. Que paillot. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir compléter l'analyse de tes données par d'autres données inaccessibles car non transmises par l'État, etc. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, pareil, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais on peut par exemple compléter, on peut croiser des bases de données aussi, parce que parfois il y a une base de données qui montre un fait, un autre qui montre autre chose. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, je pense tout de suite, sur les inégalités climatiques. Et peut-être tout à fait. Voilà, le bon, donc ça, on va vous montrer tout de suite un travail assez concret qu'on a fait là-dessus. Donc justement, là, c'est un exemple. Donc là, on a travaillé avec un cartographe qui s'appelle Cédric Rossi. Qui est vraiment cartographe de métier. Et donc c'est un article, une enquête sur les inégalités climatiques dans trois grandes métropoles françaises, donc que sont Lille, Marseille et la région parisienne. Et là, on a mis en fait en relation plusieurs bases de données qui n'ont a priori rien à voir, à savoir où sont les espaces verts. Voilà, ça c'est le premier slide. Donc là, on voit l'agglo niçoise. Là, c'est des données météo. Donc, qui viennent de Météo France, sur les températures mesurées à la surface du sol pendant un jour de canicule en août 2022. Ici, c'est des données de l'INSEE, donc l'Institut National de Statistique, qui montrent les revenus des ménages, les niveaux de vie en l'occurrence. Donc, plus c'est bleu, plus c'est élevé, et moins c'est bleu, moins c'est élevé. Voilà, c'est tout simple. Et ici, donc, c'est une dernière carte qu'on a justement établi
en mélangeant les deux bases de données précédentes sur le niveau de vulnérabilité climatique des différentes communes. Donc là, en l'occurrence, c'est la métropole lilloise. Et on se rend compte en fait que là où vivent les plus riches, ben, les gens sont moins vulnérables. Et là où vivent les plus pauvres, les gens sont plus vulnérables. Donc là c'est un exemple typique voilà, de alors peut-être que l'État un jour a fait cette base de données en croisant revenus et température mesurée, donc exposition aux canicules. Mais en tout cas, cette base de données n'est pas disponible publiquement. Et là, c'est un peu le travail qu'on a mené, justement, un peu un travail de superposition de bases de données qui, a priori, n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout situées au même endroit sur Internet, mais qu'on a rassemblées, justement, pour évaluer et montrer, en fait, qu'en gros, les plus pauvres sont beaucoup plus exposés aux canicules que les plus riches. Voilà, ça peut paraître assez binaire, comme assez manichéen, binaire comme discours, mais c'est vraiment ce qu'on a constaté dans trois grandes métropoles françaises. Après, on va passer un peu à la suite des sujets qu'on voulait aborder dans l'émission par rapport à tes autres casquettes. Mais encore une question là sur l'aspect data. Est-ce que vous déployez ces analyses sur les articles même de Mediapart, par exemple, pour regarder quels adjectifs sont associés à des femmes versus des hommes dans les articles, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a travaillé avec une équipe un laboratoire de recherche donc de l'université de Grenoble, donc dirigé par Gilles Bastin, donc pour développer une sorte de paritomètre à Mediapart, notamment pour savoir, pas forcément combien d'articles étaient écrits par des femmes et combien par des hommes, mais pour savoir combien de femmes étaient citées dans les articles, combien d'hommes, combien de femmes apparaissaient en photo dans les articles, combien d'hommes, etc. Donc essayer de créer une sorte de paritomètre. Alors, c'est un outil qu'on utilise en interne, hein, qu'on diffuse pas encore à l'extérieur. Peut-être qu'on fera un jour, je sais pas, faudra voir. En tout cas, voilà, c'est un outil donc qui a été, donc c'est un projet qui a notamment été mené par notre responsable éditorial aux questions de genre, hein, Lénaïgue Bredoux, essayer de qu'on puisse s'améliorer aussi là-dessus, pas tout le temps faire appel à des experts hommes, mais aussi parfois à des expertes, même pas que parfois. Enfin, on doit plus le faire, et donc c'est une sorte de tableau de bord qui nous permet de savoir aussi que tout le discours qu'on porte aussi dans le journal puisse aussi se refléter en interne et dans les choix qu'on fait, notamment en termes d'intervenants, intervenantes, etc. Voilà. Et on avait une question de Vicas Coco, tu as bien fait de la reposer, qui nous fait la transition parfaite pour la suite. Comment Donatien s'est retrouvé à écrire sur les agressions sexuelles dans le milieu du métal? Je ne vois pas le rapport avec les datas. Donc, pas seulement sur les VSS, mais également sur l'aspect extrême droite néo-nazi. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu? Puisque, en fait, on a donc, ça fait maintenant 3 ans voilà, qu'on enquête sur les violences sexuelles dans l'industrie musicale en général à Mediapart, et tout ça est parti d'une base de données. Voilà, la base de données, donc Music2, c'était une opération qui avait été lancée au printemps-été 2020 sur les réseaux sociaux. Voilà, en gros, c'était un collectif qui était au début anonyme, qui avait récupéré, qui avait lancé un appel à témoignages destiné aux gens du milieu de la musique pour qu'ils fassent part de leur partage, leur expérience de manière anonyme ou pas auprès de ce collectif. Et donc, ça avait donné lieu à 300 et quelques témoignages. Et ensuite, donc, ce collectif Music2 s'était associé avec deux médias, donc Mediapart et Néon, donc qui est toujours un magazine qui a été récemment racheté par Bolloré, d'ailleurs, malheureusement pour eux. Donc, on s'est associé pour, à partir de cette base de données, lancer différentes enquêtes sur le milieu de la musique. Donc ça peut être le rap, le rock, la musique classique, sur des chanteurs de chansons françaises, des producteurs, des labels, enfin voilà, tout ce qui constitue l'industrie musicale. Et de mon côté, donc j'ai fait plusieurs articles, mais notamment un et d'autres ensuite sur le milieu du punk et du métal. Pourquoi? Parce que je fais partie moi-même de cette scène, enfin en tant que, pas forcément en tant que musicien parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais en tout cas en tant qu'amateur de ces musiques. Et donc je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans, puisque c'est un sujet qui n'avait jamais été traité vraiment. Et donc je suis parti de certains témoignages récoltés dans mon Music2 que j'ai ensuite complété par d'autres témoignages récupérés ça et là, pour construire donc cette enquête, sortie en,
en mai 2021 sur les violences sexuelles dans le monde du, voilà, du punk et du métal français. Voilà, uniquement français pour le coup. On se cap 11, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, les livres et les groupes à conseiller, ça va arriver au Mont Percastor, mais là on peut peut-être un peu plus détailler par rapport à ces articles. Je passe en mode caméra chat. Donc il y avait celui-ci, si tu veux peut-être nous en parler. Oui, voilà, donc c'était, voilà, c'était un, voilà, une enquête, voilà, qui m'a pris, voilà, 6 mois, alors pas 6 mois à temps plein, mais en tout cas 6 mois de réalisation. Il y avait plus de 60 entretiens. Donc c'était notamment sur un gros tourneur, Rage Tour, voilà, qui est voilà, le plus gros tourneur, donc organisateur de concerts en France dans les scènes punk, hardcore et metal. Voilà, il y avait aussi plusieurs témoignages sur le chanteur d'un groupe de punk rock qui s'appelle Guérilla Poubelle, et puis plus généralement, voilà, des témoignages de femmes qui évoluent au sein de cette scène. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ces scènes? Parce que d'un côté, donc, on a le punk qui a toujours été, enfin, qui s'est construit comme musique qui porte des valeurs progressistes, notamment des revendications féministes, hein, depuis quasiment les origines. Et puis de l'autre côté, on a le métal avec sa communauté de nounours bienveillants qui se considèrent comme une grande famille. Donc, et qui dit grande famille dit omerta aussi. Donc du coup, ça, je pense que c'était intéressant de briser cette omerta. Voilà, donc c'est une enquête qui derrière, d'ailleurs, a eu des conséquences, voilà, un peu compliquées, puisque voilà, il y a eu toute une opération de harcèlement en ligne qui m'a ciblé moi, qui a ciblé aussi pas mal de témoins de cette enquête pendant plusieurs mois. Donc ça n'a pas été évident, disons, que le milieu, plutôt que de s'interroger un petit peu sur tout ça, a préféré partir un peu dans le sens inverse, en jetant l'opprobre sur mon travail, les témoignages, en décrédibilisant les témoignages des victimes. Voilà, je pense que pour eux, c'était plus pratique de conserver le statu quo que de s'interroger sur leur pratique. Et puis là, puisque tu l'affiches à l'écran, voilà, ça c'est une autre enquête, par exemple, voilà, ce qui a eu lieu quelques mois plus tard, c'était il y a un an, sur le chanteur donc, de No One Is Innocent, voilà, accusé d'agression sexuelle par une de ses proches. No One Is Innocent, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc c'est un des groupes majeurs du rock et métal français. De notre jeunesse. Alors là, ça a eu des conséquences pour le coup, puisque l'ensemble des membres du groupe, suite à cette enquête, ont quitté le groupe. Donc voilà, il a dû embaucher de nouveaux musiciens. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas fait de concert depuis un an et demi. Donc voilà, là, a priori, il va reprendre peut-être l'année prochaine avec un nouveau line-up. Mais pour le coup, voilà, là, ça a eu des conséquences concrètes sur la vie du groupe, quoi. Oui, il y avait Terence aussi qui disait, il me semble qu'il y avait eu quelques scandales avec le Hellfest, notamment vis-à-vis de groupes invités. Voilà, c'est ça, c'est que par exemple, un des groupes qui était cité dans la première enquête, Guérilla Poubelle, avait été invité au Hellfest en 2022. C'était aussi le cas cette année, où il y avait par exemple Johnny Depp qui était à l'affiche. Donc Johnny Depp, hein, vous savez, voilà, accusé de violence conjugale par son ex-compagne Amber Heard. Il y avait aussi Tim Lambesis du groupe Mötley Crüe, Tommy Lee du groupe Mötley Crüe, qui avait été condamné pour violence conjugale sur Pamela Anderson, qui était son ex-compagne, et Tim Lambesis, donc chanteur de As I Lay Dying, qui venait juste de sortir de prison après avoir commandité l'assassinat de son ex-femme. Voilà, ces trois groupes ont été invités au Hellfest, donc évidemment ça pose des questions. Donc le discours du festival, c'est de dire que tant que les artistes n'ont pas été condamnés, nous on ne peut pas se mettre à la place de la justice, et quand ils étaient condamnés, ils se font passer pour un organisme de réinsertion. À partir du moment où la justice ne les interdit pas de jouer au festival, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver, sachant que la justice n'interdit jamais à des artistes de ne pas se produire. Voilà. Donc c'est un peu le souci. On a Quasi Prolo qui nous fait un AVC. Est-ce grave de sacrifier des moustiques sur l'autel des spirales en carton? Oui, je crois que c'est la vie. Essaye de reprendre tes esprits, sinon tu risques fort de te faire ban, puisqu'on ne parle pas de moustiques. Ou alors c'est une forme de trolling et c'est ban aussi. Et puis, il y avait également tout le sujet nazi, néo-nazi, dans le...
Attends, il y a une épidémie de dingo mosquito, ma belle. Déjà, frère, tu m'appelles pas ma belle, on se connaît pas. Je pense que Muriel, elle va te ban incessamment sous peu. Donc, si tu veux parler de la suite, donc, sur toujours dans le milieu de la musique. Ouais, voilà, bon, après les agressions sexuelles, les néo-nazis, donc c'est que des sujets joyeux, mais bon, il faut savoir aussi. Prendre du recul un peu sur les scènes dans lesquelles on évolue. Donc voilà, ça a été une série de quelques articles sur, c'était voilà, au premier semestre 2023, sur des événements néo-nazis en France. Donc, l'un a été annulé grâce à notre travail, c'était donc celui que vous voyez à l'écran, c'était un festival de black metal nazi dans les Vosges, voilà, avec des groupes, enfin, si on peut voir le flyer, je pense. Il est assez éloquent, voilà, oui. Assez éloquent, voilà, donc il devait avoir lieu. Donc tout ça, c'est des concerts assez clandestins, évidemment, il n'y a pas de publication sur les réseaux et tout, mais voilà, grâce à des sources, grâce aussi au travail de veille que je peux mener sur ces scènes, j'avais pu récupérer le flyer et donc voilà, faire cette enquête. Finalement, voilà, 6 préfectures avaient interdit le concert et donc il avait été annulé. Même Darmanin avait réagi, c'est pour vous dire à quel point l'heure était grave. Et voilà, donc c'est une chose. Et puis l'autre enquête, c'était non, mais alors par contre, ouais. Juste regarde que Terence vient de mettre le concert néo-nazi dans la salle Simone Veil. Micros, c'est pas possible. Le lien était déjà pris. Ouais, voilà, donc ça c'était après. Voilà, vous aviez, je pense, tous et toutes vu cette manif néo-nazie dans les rues de Paris au mois de mai, hein, c'était le 6 mai. Et juste après, en fait, toute cette bande, en tout cas une partie de cette bande, s'est retrouvée dans les Yvelines, dans une salle de concert municipale qui avait été louée sous un prétexte d'anniversaire, une salle qui s'appelle Simone Veil, pour un concert de rock néo-nazi, notamment un groupe qui se définit comme rock arien, voilà, c'est marqué un catastrophe au milieu, Iron Rock, donc un groupe italien, plus deux groupes néo-nazis français, Fraction et West Coquin, Fraction d'ailleurs qui est l'ancien groupe d'un conseiller régional et municipal de Nice Reconquête, voilà, qui s'appelle Philippe Vardon, et donc voilà, toute cette bande s'est retrouvée pour boire des bières, écouter de la musique, sans que ça n'éveille la curiosité des autorités. Donc ça prouve quand même, je pense, une faillite quand même des services de renseignement, qui puissent pas se dire, le gars, le mec tape un salut, donc à trois doigts, salut de Cunen, le mec de gauche, qui est le chanteur de Fraction, qui est d'ailleurs skinhead et coiffeur, pour être dans un salon de coiffure à Nice, c'était une des révélations de cette enquête, qui tape un équivalent du salut nazi, salut de Cunen à trois doigts, dans une salle Simone Veil, et là, carrément, des salles nazis, voilà. Et tout ça, donc ça, c'est normalement les jeunes militants d'extrême droite sont assez discrets sur les réseaux sociaux. Ils évitent de poster ce genre de photos dans des lieux. Mais là, c'est un peu la vieille génération, un peu boomer, qui sont un peu moins prudents sur les réseaux. Et du coup, avec des sources avec lesquelles je peux travailler, qui sont assez c'est des militants qui sont assez dans le punk ou le métal antifasciste et qui m'avaient un peu envoyé un peu ces photos. J'en avais trouvé aussi de mon côté, donc on avait pu faire un peu une petite enquête, et c'est vrai que ça avait quand même pas mal scandalisé les gens. Voilà. Alors, je regarde, est-ce qu'un peu on a des questions? Oui, c'est incompréhensible qu'ils aient pu louer la salle à la mairie. Oui, c'était pour un anniversaire. Sans doute un jeune militant du coin, inconnu de tout le monde, qui a loué la salle. En fait, n'importe qui, théoriquement, peut louer une salle municipale. Hein. Souvent, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas non plus les moyens d'avoir des salles pour accueillir 300-400 personnes, ces personnes-là. Donc souvent, ils louent des salles sous un faux prétexte. Hein. Ça, à une époque, ça se faisait beaucoup dans l'Est de la France, puisque des militants allemands qui sont beaucoup plus surveillés en Allemagne, du coup, louaient des salles de l'autre côté de la frontière à des petits maires alsaciens qui étaient un peu naïfs. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais du coup, ça se fait quand même encore. Encore pas mal, voilà. J'ai un autre exemple de soirée qui aura lieu en novembre, intitulée Rock anti-wokisme, et avec des groupes qui avaient à cette soirée, celle Simone Veil. Et donc là, le flyer indique région Rhône-Alpes, donc ce sera sans doute dans les environs de Lyon, Chambéry. À voir si je fais un truc, mais pour le moment, en tout cas, absolument personne
ne semblent réagir à ce genre de soirée. C'est assez inquiétant parce que c'est pas seulement de la musique, hein, ces soirées. Hein, on parle vraiment, c'est des meetings politiques en fait, néo-nazis et où des pas mal de jeunes gens qui viennent au début pour la musique en fait peuvent derrière se faire embrigader aussi par des militants plus aguerris et. Et voilà quoi, c'est pas des soirées festives, c'est des soirées politiques et ça doit être considéré comme tel, je pense, par les autorités quoi. Et est-ce que ça, c'est une question de terrain, là, est-ce que cet événement, donc dans la salle Simone Veil, a incité les communes à contrôler ce qui se passe lors de l'installation du matériel? La maire de Saint-Cyr-l'École que j'avais eu au téléphone et à qui j'avais appris la tenue de cette soirée donc le lendemain, parce qu'elle était même pas au courant qu'il y avait eu ça chez elle la veille. M'avait dit que maintenant, bah, effectivement, elle contrôlerait. Mais bon, il y a combien de salles municipales en France? Il y a 36 000 communes en France. J'imagine qu'il y a au moins autant de salles municipales. Je pense qu'il y a beaucoup de mairies qui n'ont pas les moyens de faire un background check de chacun des gens qui louent des salles. Surtout que la plupart des locations sont sur des motifs d'anniversaire ou de fêtes, de baptême. Donc, il n'y a pas forcément... On va pas checker chaque truc. Après, je pense que malheureusement, ça me semble être... impossible de tout gérer, mais c'est là où, à mon avis, les services de renseignement devraient être un peu plus... parce que j'en ai vu des services de renseignement au téléphone dans le cadre des articles, et les gars ne connaissaient même pas l'existence de la scène black metal néo-nazie ou du punk d'extrême droite. Pour eux, c'était des trucs qui avaient disparu. C'est un peu lunaire, quand même, et du coup, ça montre aussi que ces réseaux d'extrême droite ne sont pas tout le temps suffisamment surveillés par les renseignements, quoi. Je remonte dans le chat. Est-ce qu'il y avait des questions qui sont passées à la trappe? J'ai pas l'impression. Oui, une fois que la salle a été privatisée, c'est difficile de contrôler. Ah oui, c'est difficile de contrôler parce qu'après, ils entendent de la musique, ok. Bon, n'importe qui mettrait de la musique à une soirée. C'est pas si on n'a pas les codes, une fois de plus, c'est compliqué de. Même une sorte de black metal néo-nazi, si on n'a pas les codes exacts de ce qu'est le black metal néo-nazi, ce qui est le cas, je pense, de 0,01% des gens en France, c'est compliqué de dire ça va pas, parce que tout ça joue sur des codes justement d'initiés, et c'est difficile à détecter, à repérer. C'est pour ça que les mecs sont d'autant plus énervés quand on les affiche, parce que en fait ils pensent qu'ils peuvent rester dans le underground et dans le souterrain tout le temps, alors que justement notre job de journaliste, c'est aussi de montrer tout ça et de les afficher, quoi, clairement. Vu qu'on parle musique et on parle de la musique néo-nazie, maintenant on pourrait peut-être parler des musiques des groupes de métal qui ne sont pas des nazis et faire le moment Père Castor, si ça vous va. On aura de toute façon le temps de reprendre encore quelques questions après sur le travail de Donatien, mais vous l'attendiez, j'ai eu déjà des demandes bien plus tôt. Père Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Est-ce que t'aimes Lana Del Rey? Très bonne question, Terence. Oui, ça va. Je connais pas suffisamment, mais les quelques chansons que j'ai pu écouter, c'est agréable. Ouais. J'ai des gens dans mon entourage qui l'écoutent aussi, donc ça va, ça passe. Bonne réponse. Je mets la petite commande. Ça trappe, c'est bien Lana Del Rey. Il le veut vraiment, ce badge VIP. Donc c'est le moment où Donatien va nous parler un peu de ses recos culture. Tarek en PLS, ouais, il faut le savoir qu'il y a une grosse animosité. Tarek déteste Lana Del Rey et ça me fait beaucoup de mal, voilà. On est plusieurs à être... pas de polémique sur Beyoncé, il n'y a pas de polémique en fait, parce que moi je n'ai rien contre Beyoncé, voilà, c'est une artiste que je respecte, je ne dis pas du mal de Beyoncé, donc il ne faut pas dire du mal de Lana. C'est tout ce qu'on demande avec Maxime, qui était venu ici, qui avait passé d'ailleurs des sons de Lana. On demande juste la tolérance, nous, voilà, le respect. Donc, on reviendra après sur... Oui, je vois Charles Van qui repose la question de Force Mustang. On va la poser, mais on fait juste le moment Père Castor, si ça vous va. Tiens, il y a déjà des... Avant que tu parles de tes goûts, il y a Besoin qui te demande est-ce que tu connais Poésie Zéro et si tu connais, est-ce que tu aimes bien. Non, c'est pas ma tasse de thé du tout. Je connais évidemment, hein, parce que je pense que n'importe qui écoute du punk en France connaît Poésie Zéro, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà. Alors justement, on va parler de ta tasse de thé. Si tu as envie de commencer soit par la musique, soit par le cinéma, soit par les séries, on a préparé des sons pour la musique pour faire découvrir un peu les goûts de Donatien. Oui, voilà. Donc, je pense de quoi tu veux nous parler? Enchaînement musique, du coup, puisqu'on en venait. Donc, j'écoute pas que du black metal, mais j'écoute beaucoup de black metal. Et le black metal est historiquement comme une musique,
Très violente, très aussi une musique. Est-ce que tu veux nous faire peut-être l'explication sur le black metal? Parce qu'il y a une collègue qui nous avait demandé si on allait passer du. Qu'est-ce qu'elle nous avait dit, Olivia, du hard. Du hard metal. Du hard metal. Du coup. Voilà, bah, le black metal, donc, c'est une musique qui est née dans les années 80 en Angleterre et puis ensuite début des années 90 en Norvège. Hein, il y a eu plusieurs vagues au début qui est dérivée du heavy metal. Hein, voilà, les premiers groupes s'appelaient notamment Venom, Bathory, Celtic Frost. Et donc c'est juste une musique voilà, qui est un peu plus agressive que le heavy metal, avec des guitares hyper saturées, des textes qui abordent voilà, qui sont le désespoir, la haine, le satanisme, l'ultra-violence, hein, voilà, la guerre. Enfin, on est vraiment sur des thèmes qui sont pas forcément très très drôles. Justement, c'est une musique voilà, qui est historiquement quand même associée voilà, à des hommes blancs, pour certains, voire beaucoup, avec des idées voilà, suprémacistes. Hein. Un des groupes voilà, qui a créé le black metal, donc c'est Burzum. Son leader est donc unique musicien, Varg Vikernes, et un suprémaciste blanc notoire. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le seul exemple. Aujourd'hui, le groupe de black metal le plus connu en France est Néo-Nazi, c'est Peste Noire. Donc voilà, on est dans une scène qui est globalement quand même envahie par les néo-nazis, par les fascistes. Alors, pas tous les groupes hein, sont néo-nazis, à tel point que quand on découvre un groupe, bah, on est obligé de faire un background check, hein, on en parlait tout à l'heure, de voir si bah, effectivement ils n'ont pas des affiliations néo-nazis via des labels, via des groupes auxquels ils ont participé. Donc c'est toujours, en fait, on doit mener un travail d'enquête avant de savoir si on peut écouter ou pas un groupe. Alors après, évidemment, bon, parfois on écoute des musiques dont on sait que voilà, les gens sont ambigus ou pas, parce que parfois la musique provoque aussi des émotions qui dépassent un peu nos convictions politiques. Mais globalement, bon, entre voilà, le début où j'ai écouté du black metal, depuis je me suis quand même voilà, un peu renseigné aussi, je me suis un peu aussi, bah, j'ai mûri et tout, donc maintenant je me renseigne quand même beaucoup plus sur le type de groupe que j'écoute. Et du coup, ce soir, j'ai essayé de vous faire écouter trois groupes. Donc on peut peut-être commencer justement par Don Raid, qui est un groupe qui malheureusement vient juste de se séparer. Donc c'est un groupe de Liverpool en Angleterre, qui est un groupe qui s'est commencé sa séparation vendredi, donc c'est tout frais. Ah oui. Et qui était un des principaux groupes du black metal anarchiste et antifa dans le monde, voilà, dont les textes abordaient voilà, les luttes sociales, la crise écologique, l'accueil des migrants, donc vraiment des sujets très voilà, très de gauche, très, très antifa, très, très anar, et qui s'est séparé justement parce qu'eux estiment que c'est plus dans le métal qu'ils peuvent lutter aujourd'hui, mais c'est, voilà, ils ont envie de lutter maintenant dans la vie réelle. Donc c'est une grosse perte, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de groupes antifascistes dans le métal. Donc je vous propose d'écouter un petit extrait de Don Raid. Voilà. Il y a déjà des questions, les gens ils jouent un peu au jeu. On avait fait un dash un jour et j'avais donné plein de noms de groupes pour savoir si c'était des nazis ou pas, ou des violeurs ou pas à Donation. Donc là ça commence. Non, bon, Berry, c'est pas des nazis. Enfin, moins que c'est ça, vous faites juste du name dropping. Coaches, Rage Against, Meshuga, Edwit, il est amateur de métal, je ne pense pas. Non, pas vraiment, non. Je peux lui faire écouter de la musique bretonne, à la limite, mais le métal, c'est plus compliqué. Est-ce que tu fais un distinguo, c'est Gaëtan Seguin qui demande, entre néo-nazi ou extrême droite dans la musique? Oui, c'est vrai que néo-nazi, peut-être que c'est un peu trop... c'est allé un peu vite. Oui, c'est vrai que extrême droite, en général, parce que c'est pas forcément que des néo-nazis. Il y a aussi des gens voilà, qui sont plus des suprémacistes... Ça dépend. Après, c'est vrai que je regroupe tout sous le terme néo-nazi, mais en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être plusieurs couleurs de fachos, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ceux qui brûlent les églises dans les pays nordiques, notamment de l'Obsidian? Ben, certains, oui. Ben, par exemple, la personne dont je parlais tout à l'heure, donc Varg Vikernes, le leader de Burzum, lui, a brûlé des églises en Norvège au début des années 90, mais après, tous ceux, parce que c'est que des hommes a priori, qui brûlent des églises ne sont pas tous néo-nazis, quoi. Enfin voilà, il y a aussi c'est aussi un mouvement, le black metal, qui est à la base anti-chrétien, anti-religion en général, d'ailleurs pas seulement que anti-chrétien.
Donc voilà, le geste à l'époque, c'était de brûler des églises en bois, notamment. Ça brûle mieux, ouais. Oui. Oui, ça brûle mieux, ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'églises en bois, et peut-être toujours d'ailleurs en Norvège. Ouais. On a une reco de Vicas Coco. Il y a aussi un compte Instagram qui s'appelle Antifasciste Black Metal et qui recense les groupes de BM Antifa. Assez pratique pour ceux qui découvrent le genre. Tout à fait. J'ai d'ailleurs interrogé leurs animateurs il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'essaye, pour essayer de produire un peu nos discours dans le journal, que juste taper sur les groupes nazis, aussi montrer qu'il y a des militants, des militantes qui en face. Essayer de proposer autre chose. Notamment le réseau que tu mentionnes, ABMN, Antifasciste Black Metal Network, qui c'est un compte Insta, Facebook, qui poste régulièrement des choses. Et c'est un réseau vraiment international. Ceux que j'avais rencontrés venaient du Brésil et d'Italie. Donc c'est vraiment super. Ouais. Si tu veux nous présenter les autres artistes qu'on a mis dans le Parc Astor. Tout à fait. Donc, puisqu'on était sur... un peu l'espèce de domination d'une musique pratiquée principalement par des blancs, c'est un groupe amérindien de black metal amérindien qui vient des montagnes situées entre New York et Montréal, l'Adirondack je crois, sa chaîne de montagnes qui est dans le prolongement des Appalaches. Et donc c'est un groupe qui s'appelle Black Braid qui est tout jeune, ils ont commencé en 2022, ils ont sorti un album en 2023. Et donc c'est un groupe de black metal amérindien, tous les membres sont des Native Americans, et je vous propose d'écouter ça aussi. Et on avait une question de Papa Vic, c'est quoi la différence avec le death metal, le black metal? Disons que c'est peut-être pas tout à fait en termes de guitare, de rythme, c'est pas tout à fait les mêmes saturations de guitare, c'est pas tout à fait les mêmes rythmes, c'est pas tout à fait les mêmes thèmes non plus. Le death metal, il y aura tout un aspect, une fascination morbide un peu autour de la mort, du gore. On pense tous à Cannibal Corpse, à Dying Fetus, ça va être beaucoup de... distinction. Après, parfois, il y a même des groupes de Black Death, mais c'est plus au niveau des thèmes abordés et du type de production en termes de vitesse de batterie, de guitare, de philosophie générale du groupe. Donc, on est parfois sur une ligne ténue, même moi, parfois, même qui suis initié, parfois, je ne fais pas trop la distinction. Mais après, ça passe par des codes un peu internes au métal. Peut-être avant le dernier son, Karim Bet te demande par rapport à Black Braid, donc Native Americans, est-ce qu'ils se battent pour les Indiens, les Amérindiens? Alors, ils se battent pas, non, ce n'est pas forcément des militants, mais en tout cas, ils essayent, via leur musique, de parler de l'histoire de leur peuple, de la colonisation, des souffrances engendrées par la colonisation, de leur lien avec la nature. Donc, on est sur une musique qui est aussi assez politique, justement. Après, je ne les connais pas suffisamment pour dire s'ils militent au quotidien pour une forme d'autonomie, d'indépendance. Enfin, d'indépendance, je ne pense pas, mais en tout cas d'autonomie. Surtout qu'ils sont dans un État qui n'est pas... Où peut-être que l'État de New York, c'est quand même un État très dense. C'est pas l'ouest des États-Unis où il y a quand même des réserves et tout. Je ne suis même pas sûr qu'ils vivent d'ailleurs dans une réserve. Mais en tout cas, c'est, ils partagent dans cette musique ce genre de thématiques. De luttes qui sont aussi des luttes anticolonialistes, écologiques, qui sont hyper importantes à leurs yeux. Dadoc Doggy te demande Slipknot, où est-ce que tu les places en termes de genre musical, pas politiquement? Slipknot, je dirais que c'est un peu du néo-métal. Parce que, ils sont arrivés avec toute la vague néo au milieu des années 90. C'est plutôt du néo-métal, mais après, leur musique a un peu évolué, mais c'est quand même. Je rangerais ça dans le néo-métal, mais après, d'autres seraient peut-être pas d'accord avec moi. Je suis assez d'accord. Ouais. Anormal Form, y a-t-il des covers black metal de chansons de Lana Del Rey? Ça doit exister. Pas à ma connaissance, mais, ça doit exister. Ouais. Après, il y a une excellente reprise de Lana d'une chanson Sublime, Doom Time, que je vous recommande. Et peut-être, si tu veux nous présenter le dernier son qu'on a mis de côté. Le dernier son, c'est pour trancher un peu avec l'image d'absolue violence
que génère un peu quand j'entends le black metal. Donc c'est le projet d'un artiste ukrainien qui s'appelle Kektarek, qui est un ukrainien de Mykolaiv, donc qui est exilé à Berlin maintenant. Et donc c'est un projet solo. Et lui il propose un black metal beaucoup plus atmosphérique, mélancolique, où il parle d'amour. Notamment. Y a même des notes de piano, de guitare acoustique. Sur la pochette, on le voit donc en corpse paint. Il y a beaucoup de musiciens de black metal qui se griment quand ils sont sur scène, où ils se peignent en blanc avec les yeux en noir. Et on le voit poser avec une épée et une rose. Donc c'est un peu du black metal romantique. Et c'est un super projet qui a été autoproduit à la base et qui a été un peu réédité par un label de Brooklyn. Donc c'est limite hipster maintenant. Mais c'est très très sympa aussi. Et je suis en train de me dire, en fait, je me suis mélangé les pinceaux. J'ai mis l'autre son dont tu m'avais parlé. Non, c'est bon. Non, je pense que c'est bon. Ouais. Voilà. Vous pouvez de toute façon tout retrouver, là je vous ai mis les liens, vous pouvez l'appeler avec la commande Père Castor, vers les liens vers les chansons qu'on a diffusées. Ils sont arrivés avec la vague néo-métal comme Rammstein, mais ce qu'ils font est très éloigné, tout comme Rammstein d'ailleurs. En fait, le néo-métal, c'est plus Limp Bizkit, Korn, Linkin Park. Qu'est-ce qui devient Linkin Park? Dead Dog Doggy, le premier album de Slipknot, il y a pas mal de passages rappés aussi. Hein. C'est vrai qu'après, c'est pour ça que je disais que maintenant, je suis pas sûr qu'on puisse encore les catégoriser comme ça, mais au tout début... Corey Taylor, donc le chanteur de Slipknot, il rappe beaucoup. Hein, et puis même les beats sont un peu hip-hop. Après, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, je pense pas qu'on peut encore les catégoriser comme ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bonjour 32, Asu Jonoki, qui mêle le black metal à la pop et au shoegaze. Je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Pour qui est intéressé? Oui, je note cette reco. Merci. Bonjour 32. Et oui, peu cher, je me souviens qu'un des chanteurs de Linkin Park, il était décédé. Ouais, Chester. Si tu veux, on a parlé musique. Est-ce que tu as envie de nous parler séries, films, dans tes recos par Castor? Ouais, voilà, donc ça c'est... Bon après, je suis peut-être moins amateur de séries de ciné que de musique, mais... récemment, j'ai vu la quatrième saison d'une série que je trouvais exceptionnelle. Alors, je vais pas être très original, qui s'appelle Babylon Berlin, qui est une série allemande qui se passe dans le Berlin d'entre-deux-guerres, donc entre la crise économique de 1929 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Quand je dis que j'ai pas trop original, parce que c'est la série la plus chère de l'histoire en Allemagne, qui a notamment été créée par Tom Tykwer, le réalisateur d'un film culte de notre génération 86, qui est Cour Lola Cour. Et qui, avec une flambée d'acteurs hyper connus en Allemagne. Et donc, c'est une série qui raconte de manière assez géniale comment la société allemande s'est peu à peu délitée pour que ce soit la population, les institutions, pour permettre justement l'arrivée d'Hitler au pouvoir, sachant que la série s'arrête vraiment juste avant. Alors là, c'est que la quatrième saison, il y aura sans doute une cinquième saison, mais ça s'arrête vraiment juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et c'est absolument génial, il y a une intrigue policière. On voit aussi tout le Berlin des années folles de 1929, toute la corruption qui est très bien montrée à l'écran. Enfin, c'est génial, je la recommande. Bon, je suis aussi un peu germanophile, donc c'est un peu mon prisme allemand, mais en tout cas, je vous la recommande beaucoup. Bon, par contre, désolé d'avance, mais je crois qu'en France, on peut l'avoir uniquement sur Canal+, donc chez Bolloré, mais il y a d'autres moyens... C'est vrai. J'ai vu que la saison 1, pour cette raison, je n'ai pas trouvé après. Écoute, tes films, tu voulais nous parler de Donnie Darko. Donnie Darko, ça c'est moins récent pour le coup, parce que j'ai pas forcément trouvé de films hyper récents que j'ai bien aimé. Et ça, c'est un peu le film. Mais est-ce que c'est grave si on n'a pas de choses récentes? Non, c'est pas grave. Exactement. Parce que là, on va remonter en 98. Donnie Darko. Donc c'est vraiment le film qui m'a construit, je pense. J'ai dû le voir au début des années 2000, quand j'étais encore post-adolescent. Je trouve que c'est un film qui raconte super bien la rupture qu'il peut y avoir entre le monde de l'adolescence et le monde des adultes. Tout ça avec...
Avec en plus la première fois qu'on le voit, bah, on n'y comprend rien, du coup on a envie de le revoir une deuxième fois. Hein. Le pitch, voilà, c'est un ado qui a pour meilleur ami en fait un lapin, voilà, qui est un peu imaginaire, qui s'appelle Franck. Et voilà, il va se passer toute une série d'aventures. On le voit donc à la fois dans son école, voilà, qui est un peu un modèle de puritanisme. On le voit avec ses parents, qui est la famille un peu installée, beaucoup chez sa psy aussi. C'est aussi ses premiers amours. Et voilà, et puis il y a toute une mystique autour de ce film. Enfin, c'est, voilà, j'en parle très mal, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le film qui m'a construit. Et la BO aussi est très chouette. Voilà, la BO est très chouette. Tears for Fears, Echoes de Bunnymen, il y a du Joy Division. Enfin, c'est vraiment de la BO géniale. Ouais. C'est un des premiers films, en plus, de Jack Gyllenhaal, il est tout jeune. Ben voilà, c'était son premier film. Il avait 26 ans à l'époque. Le film a été un peu maudit, puisque... Il est sorti au cinéma, enfin sa sortie prévue au cinéma était prévue un mois après les attentats du 11 septembre, donc en 2001. Et le film s'ouvre par un accident d'avion, donc pas de bol pour lui. Du coup, toute la promo du film avait été annulée. Et en fait, ce qui a marché, c'est vraiment quand il est sorti en DVD, donc deux ans après, où là, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, ce qui fait que petit à petit, c'est devenu une sorte de film culte d'une génération. Donc les gens comme nous de 30, 35 ans, 40 ans, qui ont un peu grandi avec ce film. Il y a aussi Patrick Swayze dans le film qui joue un prédicateur pédophile. C'est assez... Pas de spoil. Pas de spoil, ouais. Mais je pense qu'on peut le dire. Ça. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film qui a 20 ans, comment s'appelait déjà le réalisateur? Richard Kenny. Ah oui. Voilà. Il est un peu déçu par la suite. Moi, je m'attendais, The Box, j'avais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé South Lantage, même si beaucoup de gens considèrent que c'est un gros navet, j'avais kiffé aussi. Ouais. Il y a des gens, il y a des traumas de Karim B. et Donnie Darko m'avaient traumatisé avec l'effet papillon et Requiem for a Dream. C'est exactement cette période. Hein. Bah ouais, totalement. C'est un film qui fait poser énormément de questions et c'est assez. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas, d'ailleurs, parce que c'est pas le genre de film qu'on comprend en premier visionnage. Il y a beaucoup de niveaux de lecture différents, donc souvent, certaines personnes qui comprennent pas les films n'aiment pas, alors que d'autres justement sont fascinées par comprendre et du coup veulent revoir le film 3, 4, 5 fois pour essayer d'en capter le plus possible. Et puis c'est un film qui, contrairement, aux ambitions de trucs type Lost sur tout ce qui est voyage dans le temps, vortex spatio-temporel, tout se tient. Enfin, c'est ça aussi qui est bien. Je reviens sur une question data journalisme parce qu'on touche quand même à la fin de l'émission. Elle a été posée deux fois. Est-ce que tu as déjà croisé des articles de data journalisme qui tournaient l'analyse de données de façon très biaisée, par exemple de façon sexiste ou raciste, en mode on fait tout dire en fait aux chiffres finalement? Ouais, vraiment. Non mais j'avais vu un exemple qui m'avait un peu choqué dans Le Figaro, qui avait fait le palmarès des villes les plus où il y a le plus d'insécurité en France. Et donc, ils présentaient ça comme un truc, un genre exclusif, le palmarès. Donc, on se dit, oh là là, comment ils ont fait ça et tout, quels chiffres ils ont récupérés. Et je me dis, bon, le ministère de l'Intérieur, il ne mesure pas l'insécurité. Donc, est-ce que c'est des enquêtes sociologiques un peu poussées et tout? Mais bon, ça ne ressemble pas trop au Figaro. Donc, du coup, j'ai regardé un peu les données. En fait, ils s'étaient basés sur un site complètement bidon où tu pouvais noter les villes, mais n'importe qui pouvait le faire autant de fois qu'il voulait. En n'envoyant pas qu'à l'internaute, même s'il n'habitait pas dans la ville, quoi. Il n'avait même pas besoin de prouver dans la ville pour dire si elle était safe ou pas, si cette ville avait suffisamment d'écoles ou pas. Enfin, en gros, c'était des questionnaires complètement bidons. On pouvait voter 10 fois d'affilée si on voulait, il n'y avait même pas de détection d'adresse IP. Enfin, bref, voilà, vraiment un site bidon. Je ne sais plus s'il s'appelle classementville.com. Enfin, vraiment, en plus, leur est qu'un nom. Un site hébergé en Slovénie. Enfin, bref, un truc vraiment, vraiment cryptique. Et en fait, du coup, ce qu'on s'était amusé à faire avec des collègues, c'est qu'on avait, une fois lu l'article du Figaro, essayé de changer les résultats. Donc à la base, je crois que c'était une ville, je ne sais plus quelle ville était en tête du Figaro, si c'était Nantes ou je ne sais plus, ou Bordeaux. Enfin voilà, c'était une ville un peu bidon. Ils avaient vraiment titré genre Nantes, la ville la moins safe de France, en prenant ces données pour argent comptant. Et en fait, on avait avec des collègues changé le classement de telle sorte que 2 heures après, c'était Brest qui était devenue la ville la moins safe au monde. Voilà, donc devant... Tijuana, Bogota, enfin c'était Bagdad, enfin bref, on a commencé à faire vraiment, donc pour montrer à quel point c'est débile
d'utiliser des sources comme ça. Après, oui, sur les bières racistes ou sexistes, voilà, ça peut arriver aussi. Pareil, j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais en tout cas, oui, effectivement, on peut évidemment faire n'importe quoi des données, mais là, voilà, comme le Figaro avait donné sa source, bah, c'était facile derrière pour nous de démonter complètement ce pseudo-article qu'ils avaient fait à l'époque, quoi. J'ai peur de vraiment écorcher ce titre de Charlemagne qui te demande est-ce que tu as vu ce titre en allemand vendu sous le titre Retour de flamme en français. Non, ça me dit rien, je suis désolé Charlemagne. C'est un film, ouais, je pense. J'imagine, ouais. Mais celui que j'aimerais beaucoup voir, c'est, en parlant de film, c'est le dernier Boris Petzold qui s'appelle Le Ciel Rouge, qui est sorti là récemment en France. Mais j'ai plus le temps d'aller au cinéma, mais c'est sur ma liste de films à voir prochainement, qui a l'air chouette. Écoute, je vois qu'il est 21h et tu as un enfant à aller coucher, deux enfants à aller coucher, c'est vrai, peu cher. Donc, si ça vous va, on va clore un peu le live. Je vais faire les annonces habituelles, à savoir si vous voulez rencontrer les équipes de Mediapart. Il y a toujours le festival Mediapart, donc 15 dates spéciales pour nos 15 ans et la prochaine, c'est le 30 septembre à Poitiers. Donc, je vous ai mis le lien, c'est gratuit. Vous pouvez aller rencontrer les collègues et acheter des chaussettes Mediapart. Ah oui, je voulais aussi parler du livre Me Too, qui sort au seuil. Ouais, voilà, bah, c'est un livre d'ailleurs où sera l'article qu'on vous a présenté tout à l'heure sur le bilan de 100 affaires Me Too. C'est un livre qui sort au seuil, qui a été coordonné par Lénaïque Bredou. Vous pouvez retrouver, voilà. Un best-of des articles de Mediapart publiés au cours des 6 dernières années, ainsi que des entretiens, des analyses. Voilà, donc ça s'appelle Me Too, le combat continue, et ça sort le 20 octobre au seuil. C'est un livre auquel ont contribué 18 journalistes de Mediapart. Est-ce que La berceuse des enfants, c'est du black metal, mais volume minimum ? Non, mais je leur en fais écouter un petit peu, notamment le matin. Ça arrive que mon fils appuie sur play sur l'ordinateur ou le téléphone et ça joue automatiquement, même si l'ordi est verrouillé, Spotify, sur lequel figure du black metal. Et il aime bien faire du, surtout qu'il a les cheveux un peu longs, faire du headbanging. Mais comme ça, c'est pour une plaite. Il aime ça. Un message quand même avant de se quitter. On pense fort à notre confrère et ami Mortaza Behbudi parce qu'il est prisonnier des talibans en Afghanistan depuis le 7 janvier 2023 et au moment où on se parle, il n'est toujours pas libéré. Voilà, donc on espère qu'il sera libéré très prochainement et on pense fort à lui. D'ailleurs, j'ai une commande, je crois, qui va vers une pétition. Oui, tout à fait, Zérance, il faudra qu'on modifie la durée affichée. Ben, on voit ça lundi prochain, la prochaine réunion, hein, tu nous fais signe. On va faire un petit raid et avant ça aussi, notez dans vos agendas que lundi prochain à 19h, vous verrez encore une nouvelle partie des locaux du journal, cette fois-ci avec Tariq qui va recevoir Valentine Auberti, qui est notre nouvelle co-directrice éditoriale de la rédaction, en binôme avec Lénaïque Bredou. Et qui était avant co-responsable du pôle vidéo avec Mathieu Maillodex. Donc il y aura des questions sur deux sujets comme ça très différents, mais qui concernent dans tous les cas Mediapart. On n'a pas fini le petit son aussi du Zul. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live Mediapart exceptionnel au carrefour du rendez-vous des citoyens et de la démocratie. Et le classique d'Edoui. Abonnez-vous. Merci pour tous vos messages. Bon, c'est sympa, bien sympa ce premier live. Je reviendrai. Merci à vous, à bientôt. Bah oui, TechPike revient avec plaisir. Merci pour cette émission passionnante. Vous êtes trop chou. On va faire un petit raid qui est en train de streamer en ce moment parmi les comptes amis. Ouais, on a un internet de gauche à la mesure des travaux là. Ça rame. Il y a Cassandre et Lex Calvin. Et ben on va aller chez Cassandre. Je sais plus vers qui Tariq avait envoyé les gens lundi dernier, si c'était Cassandre ou pas. Moi j'ai envoyé vers Cassandre il y a 15 jours. Bon, ça mange pas de pain, on l'aime bien. De toute façon, ça fait toujours plaisir. Allez hop. C'est une galère quand ça rame, tout à fait. C'est le problème des internets. Quand ça marche, c'est mieux. Hop, je lance le raid. En tout cas, bon. Ah non, nous ne sommes pas en mesure de lancer le raid. Pas merci Amazon. Hein.
Merci, hein, Jeff Bezos, c'est quoi ce service au rabais là? Et Lex Calvin n'y veut pas non plus? 56K vibe, me chauffe pas, là j'ai le son. Ils sont en mode conversation face à face, tranquille. C'est pas Moni passant Charlot sur la droite? Ouais, là t'arrives à voir? Je reconnais sa coupe de cheveux. Hein. Assez iconique, c'est vrai. Je lance le raid, mais en tout cas, bonsoir tout le monde et à lundi prochain. Merci à tous et à toutes.